parti. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance de la Commission sur les finances et l'administration de la Ville de Montréal. On poursuit aujourd'hui l'étude publique du budget de fonctionnement 2022 et du budget d'immobilisation 2022-2031 de notre ville. Je me nomme Pierre Lessard-Blais. Je suis président de la commission, en plus d'être maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Laissez-moi le plaisir de vous présenter les membres de la commission, en commençant avec nos deux vice-présidents, Monsieur Desbois. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, mon nom c'est Laurent Desbois, vice-président de la commission et je suis le maire d'Outremont. Et Monsieur Bourrel. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Georges Bourrel, maire de Beaconsfield et vice-président de la Commission. Merci beaucoup, messieurs. Et pour nos membres réguliers, mais pas moins extraordinaires, Monsieur Botachi. Merci beaucoup. Alex Potanchi, maire de Dallard-des-Ormeaux. Et bonjour à tous. Madame Christensen. Bonjour tout le monde, Lisa Christensen, conseillère de la Ville pour le district de la Pointe-aux-Prairies dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Monsieur de Souza. Bonjour, Monsieur le Président. Alan de Souza, maire de Sanora. Je salue Monsieur Roger Lachance et les membres de son équipe qui sont là. Ça fera plaisir de participer cet après-midi avec vous tous. Madame Goulet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Nathalie Goulet, je suis conseillère de ville du district d'Annecy, dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Bonne séance à tous, à toutes. Monsieur Gratton. Merci, Monsieur le Président. Benoît Gratton, je suis conseiller d'arrondissement du district Desmarchais-Crawford à Verdun. Merci. Madame Grondin. Oui, bonjour à tous. Vicky Grondin, je suis conseillère de ville à l'arrondissement de Lachine et conseillère désignée à l'arrondissement de Ville-Marie. Madame Journeau. Bon après-midi, donc Virginie Journeau, conseillère de ville dans le district de Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Et Madame Sigouin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement dans le district de Saint-Paul-et-Mars et Henri-Ouest, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Bon après-midi à tous. Malheureusement, je dois excuser l'absence de Monsieur Sylvain Ouellette, conseiller de la ville à l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, car il siège actuellement à la commission d'examen des contrats, qui elle aussi est particulièrement importante pour le bon fonctionnement de notre ville. Nous allons donc procéder cet après-midi à l'étude des budgets du service de l'environnement et du service de l'espace pour la vie. On va débuter par une présentation de leur budget de fonctionnement et ensuite de leur budget d'immobilisation, suivie d'une période de questions du public et ensuite une période de questions et commentaires des élus. Donc, nous pourrons aussi recevoir des questions de journalistes et elles seront lues après la période de questions et commentaires des élus, dans les limites de temps alloués à chaque séance. Donc, je demande à tout le monde, présentateur comme élu, de faire preuve de synthèse pour qu'on réussisse à mener à bien nos travaux dans le temps imparti. Donc, nous commençons aujourd'hui avec la présentation du service de l'environnement. Je remercie Madame Mauger, qui est responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif et Monsieur Renaud Lachance, qui est directeur du service de l'environnement. Je vous remercie tous les deux pour votre présence cet après-midi. Bien sûr, je dis tous les deux, mais il y a énormément de gens derrière vous qui vous soutiennent dans vos tâches. Donc, merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui et qui ont contribué à la présentation. Avant de vous laisser la parole, Madame Mauger, je rappelle que vous avez un total de 20 minutes pour faire la présentation avant d'entamer les différentes périodes de questions. Donc, Madame Mauger, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lessard-Blais. Bonjour à tout le monde, les commissaires, les secrétaires recherchistes, ainsi que les membres de l'équipe du service de l'environnement dont je vois le visage pour la première fois aujourd'hui. Je suis fière d'être parmi vous cet après-midi pour la présentation des budgets de fonctionnement et des mobilisations du service de l'environnement. Service d'environnement, c'est quand même
un assez gros service à la Ville de Montréal qui rassemble 266 employés regroupés dans 5 divisions. C'est un service qui assure des services critiques à la mission de la ville, qu'on pense à la collecte et au traitement des matières résiduelles ou encore la surveillance de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau. Et comme vous l'avez vu dans la présentation complète, ce sont des dossiers très techniques, très complexes. Il y en a beaucoup. Et on a vu dans les dernières années plusieurs projets qui ont vu le jour, des modifications réglementaires également, et il y en a d'autres qui sont en préparation. Alors, on pense aussi que le service d'environnement est aussi mis à contribution dans l'objectif de la Ville de Montréal vers le zéro déchet, notamment avec la construction d'infrastructures de traitement des matières organiques, l'élargissement de la collecte des matières organiques et bien d'autres actions. Alors là-dessus, je passe la parole à M. Roger Lachance, qui est le directeur du service de l'environnement depuis 2012. Donc, cette année, il fête son 10e anniversaire à la tête du service de l'environnement. Alors, M. Lachance va vous faire la présentation. Merci. Je tiens simplement à m'excuser auprès de Monsieur Lachance. Je me suis mépris sur son nom de famille. Sincèrement, désolé, Monsieur Roger Lachance. À vous la parole. Pas de souci, Monsieur le Président. Puis merci, Madame Mauger. Bon, 10 ans, oui, c'est un autre exemple que le temps passe vite. Alors, le temps va passer vite aussi avec la présentation. Donc, je vais la partager avec vous à l'instant. Donc, faire le partage d'écran et normalement, tout est supposé de fonctionner. Donc, vous voyez bien la présentation? Très bien, merci. Excellent. Donc, je remercie les gens de mon équipe aussi là, de m'accompagner, évidemment, comme d'habitude. Et en fin de compte, comme le mentionnait Mme Mauger, et en fait, quand on regarde l'organigramme 2022, il n'y a pas de changement de structure cette année par rapport à l'année dernière et même l'autre année d'avant. Donc, les gens, ils sont là, M. Éric Blain présent, il est responsable, entre autres, des centres de traitement de matières organiques. Donc, tous les projets d'infrastructure, les activités au CLSM et le soutien technique des sols contaminés. Mme Murat, qui la gestion des écocentres et tous les contrats de matières résiduelles ainsi que le PDGMR. Madame Myrta Mansavrakos, à la division d'inspection des aliments, nous sommes le mandataire du MAPAC sur l'île de Montréal. Monsieur Jimmy Dib, où j'ai la responsabilité de l'application réglementaire rejet dans l'air et dans l'eau et du réseau de surveillance de la qualité de l'air et de l'eau. Madame Arbic, qui s'occupe des laboratoires, qui supporte tout ce beau monde-là, et Mme Demel. Donc, quand on regarde les Fessayeurs 2021, le mandat du service d'environnement est directement en lien avec le plan stratégique Montréal 2030. Oui, les activités ont été quand même un peu perturbées là, par la pandémie, mais le dévouement de l'équipe a fait en sorte qu'on a pu remplir nos mandats. Quand on regarde les faits saillants au niveau de la gestion des matières résiduelles, en 2021, il y a eu l'adoption de règlements sur les articles à usage unique et aussi des modifications là, sur les sacs de plastique. On est aussi impliqué dans la consultation publique sur la réduction du gaspillage alimentaire, dont les recommandations ont été déposées en cours d'année. On poursuit évidemment le déploiement de la collecte des matières organiques dans les 9 et plus. Donc, il y en a un certain 33 000 portes de plus quand même dans 2021 et on va poursuivre le travail, évidemment, là, dans les prochaines années. Un élément vraiment majeur qui est en train de se dessiner, c'est vraiment la modification de la gouvernance au niveau des matières recyclables. Donc, ça va toucher l'ensemble des joueurs et on parle de responsabilité élargie des producteurs des matières. Nous sommes très impliqués à ce niveau-là, d'autant plus aussi on est à l'affût là, des projets pilotes sur la consigne, autre changement important. Il y a des projets pilotes qui ont vu le jour dans Villeray-Saint-Michel et Ville-Marie. Il y en avait un aussi juste avant qui a démarré dans le site quartier-ville. Quand on regarde d'autres éléments importants, bien évidemment, il y a la construction des centres de traitement de matières organiques à Saint-Laurent et Montréal-Est. On a mis en opération une usine de traitement d'eau, un projet de longue haleine de plusieurs années,
qui est maintenant terminé et qui vise à récupérer les eaux souterraines et les traiter par l'entreprise de Pointe-Saint-Charles. On a construit une usine de traitement d'eau au complexe environnemental Saint-Michel, justement pour améliorer le traitement. Le mandat habituel au niveau de l'application réglementaire, au niveau des rejets dans l'air et dans l'eau, avec les particularités qu'on a posé un rapport spécifique là, sur l'application du règlement sur le chauffage au bois. Donc des fois, on se pose la question, est-ce qu'un règlement peut faire une différence? Oui, ce règlement-là fait une différence sur la qualité de l'air. On a aussi débuté un projet d'amélioration du réseau de surveillance de la qualité de l'air en collaboration avec la DRSP. Et évidemment, on met aussi l'équipe de l'inspection des aliments là, dans la mise en œuvre de toutes sortes d'initiatives en lien avec la transition écologique, que ce soit on les implique au niveau du gaspillage alimentaire, plastique à usage unique, trappe à graisse. Juste, trappe à graisse, c'est quoi? C'est évidemment, il y en a dans les restaurants. Et elle porte main forte à l'équipe du contrôle des rejets. Au niveau maintenant du budget, là, il y a beaucoup de détails, évidemment, là, beaucoup plus d'informations sur les réalisations. Qu'on me fait plaisir de répondre aux questions s'il y en a là, justement par rapport à ces éléments-là. Et les indicateurs de performance au niveau de REM Canada, c'est des indicateurs habituels. Donc, on en a un premier où parle du coût total de la collecte des ordures ménagères en bordure de rue. Il n'y a pas vraiment grand-chose à signaler de ce côté-là. Très peu de variations dans les dernières années. Coût d'exploitation par tonne de matières résiduelles, ça, en fin de compte, ça englobe la collecte, le traitement, l'élimination des matières, que ce soit en bordure de rue ou aussi les éco-centres et tout. Donc, c'est vraiment un amalgame de toutes les activités. Une faible augmentation de 2,5% en 2019 et 2020. Donc, on voit depuis quelques années une tendance légèrement à la hausse de ce côté-là, en lien avec des coûts directs de valorisation aussi qui ont été à la hausse. D'autres indicateurs, vous avez ici la liste des indicateurs et on va se concentrer sur quelques-uns qui ont vraiment un impact majeur sur les dépenses du service d'environnement. Donc, ici, on parle des ordures ménagères. Donc, on voit évidemment l'évolution de la tendance de la production d'ordures ménagères depuis plusieurs années. On voit une forte diminution. Depuis 2010, il y a à peu près, grosso modo, dans les 10 dernières années, une diminution d'à peu près au total 100 kilos par personne, ce qui est beaucoup. On y va au rythme d'à peu près 10 kilos par personne par année. Et évidemment, ça a été la contribution de l'implantation de la collecte des matières organiques et augmenter le détournement des matières, évidemment, a eu son importance, c'est évident. Il y a aussi eu des diminutions nettes de matières résiduelles. Donc, c'est un amalgame des deux qui fait qu'on réduit et souvent, on focus beaucoup sur les taux de récupération. Mais un des éléments importants, c'est de réduire à la source aussi. On a remarqué entre 2019 et 2020 une légère augmentation et on l'explique en raison de la pandémie au niveau où les gens sont beaucoup plus à la maison. Au niveau maintenant des matières recyclables, ce qu'il faut retenir, c'est une lente progression du taux de récupération depuis 2010. Malgré les efforts qui ont été faits, et on est confiant qu'avec la mise en œuvre de la consigne au début de l'année prochaine et aussi toute la transition et la remise en question là, du système de collecte de matières recyclables qui va venir, grosso modo, là, il va connaître son apogée là, ou l'implantation totale en 2025. Donc, c'est tout à fait le bienvenu pour accélérer les améliorations de ce côté-là. Quand on parle maintenant des matières organiques, on voit l'impact de tous les efforts qui ont été faits dans les dernières années. Donc, c'est quand même une augmentation, importante et tout à fait souhaitée. On parle aussi que le déploiement dans les collectes dans les 8 logements et moins, c'est terminé en 2019. On cible 100% des immeubles et des écoles à l'aube pour atteindre le 60% en 2025. Maintenant, on a 51 000 unités d'occupation de 9 logements et plus de desservis.
Et on anticipe aussi une diminution de 5 % des matières collectées là, en 2020, mais dans le fond, c'est plus une anomalie de 2019 où on a vu les gens de produire beaucoup plus de matières organiques et jardiner. On a vu une augmentation de ce côté-là l'année dernière. Au niveau maintenant d'un autre type de matières résiduelles, qui est les résidus de construction, rénovation, démolition, donc l'objectif est atteint. Mais il faut continuer à travailler fort. On va vous donner des exemples tout à l'heure sur ce qu'on compte faire pour continuer à améliorer cette chose-là. Et il est important de souligner aussi que Montréal était la seule municipalité à avoir maintenu les écocentres ouverts pendant toute la période de pandémie. On n'a jamais arrêté et c'était particulièrement important dans le cas des résidus de construction, rénovation et démolition. Au niveau des dépenses des matières recyclables, on voit évidemment là, les grandes variations qu'on a vues des dernières années, c'est en fait c'est directement lié au prix des matières recyclables qui avait vu une baisse plus que marquée dans les années 2019, 2018-2019, d'où l'augmentation des coûts. Et cette année, bien, c'est tout à fait le contraire qu'on vit. Le prix des matières est à des niveaux jamais vus. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que le coût total de l'enfouissement est souvent inférieur à d'autres coûts de type de traitement, que ce soit les matières organiques et, dans certains cas, certains contrats, les matières recyclables aussi. Par contre, on reçoit une compensation du gouvernement du Québec ou des entreprises à la hauteur d'un minimum de 70 %. Donc, le coût réel est beaucoup plus bas que ça. Donc, autre indice ou indicateur, le suivi des plaintes qui est important, évidemment, pour les citoyens. Bon an, mal an, évidemment, on observe quand même une certaine diminution là, en 2021 du nombre de plaintes. On a comme objectif, dans les 24 heures, de prendre contact avec le citoyen et pour dire que sa plainte est prise en charge et dans les 10 jours, de lui revenir sur la façon qu'on a traité sa plainte. Donc, on regarde, on est à 2800 plaintes au total au niveau du service d'environnement et on rencontre nos objectifs là, dans 97 ou 96 % du temps. Maintenant, au niveau des écarts, l'évolution budgétaire 2021. Le budget, ça, en fin de compte, c'est les revenus. On parle de revenus de 27 millions budgétés. Et on parle d'un déficit de 2,2 millions en termes des revenus. J'attire votre attention sur un écart de 1,5 millions en moins, mais en fin de compte, ce n'est pas vraiment un écart négatif. C'est l'entente avec le MTQ où on a des revenus, mais le projet est terminé. Donc, on n'a pas fait les revenus, mais vous allez voir du côté des dépenses, on n'a pas fait les dépenses non plus. Donc, ça s'annule. Les autres éléments soulignés, c'est des baisses de redevances. Au niveau des matières résiduelles. Réception au sol au parc Frédéric Bach, oui, pour l'aménagement du site, en lien avec l'arrêt des chantiers pendant la pandémie. Et ça, jumelé à d'autres augmentations de revenus, fait en sorte qu'on a cet écart-là au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, pour un budget, je dirais, modifié de 170 millions, on dégage un surplus de 12,5 millions. Je vous ai parlé du 1,5 million tout à l'heure là, qu'on n'a pas fait la dépense en lien avec le projet d'MTQ Turco. Et grosso modo, j'attire votre attention sur deux lignes qui expliquent presque en totalité l'écart. Donc, les contrats de collecte de transport de matières résiduelles. Donc, les taux de, en fait, la différence du taux d'indexation et des carburants et de la non-utilisation de certaines contingences qui nous permet de dégager 2,5 millions. Et l'impact du prix des matières vraiment élevé, où les coûts, en fin de compte, ont été plus faibles de plus de 7 millions de dollars. Donc, c'est les deux éléments majeurs qui expliquent le surplus. Au niveau des objectifs 2022, écoutez, il va y avoir beaucoup de suites, grosso modo, là, des activités qui sont déjà engagées. Cette année. Donc, on va accompagner les établissements qui vont être visés par le règlement interdisant les articles à usage unique. On va aussi s'attarder sur la planification d'un encadrement réglementaire
ça, ce n'est pas des activités, en fin de compte, qui sont prévues dans le PDGMR, là, visant la réduction des invendus de l'industrie du textile et les matières organiques générées par les épiceries. On va donner suite, évidemment, là, on va travailler avec les membres de la commission d'administration pour donner suite aux recommandations pour la cessation du gaspillage alimentaire. Au niveau du déploiement des collectes de matières organiques dans les 9 et plus, qui vont toucher 6 arrondissements, donc un certain nombre de portes, 34 000, par exemple, additionnels qui sont visés, avec des écoles aussi, et on implante aussi, au fur et à mesure, là, ces collectes-là dans les petites ICI, donc industrie, commerce, institutions assimilables au niveau de production du résidentiel. On va tester aussi des modalités de collecte pour optimiser la collecte dans différentes conditions. Terminer la construction des centres de compostage Saint-Laurent et de biométhanisation de Montréal-Est. Il ne faut pas oublier qu'on fait le compostage de feuilles de CESR depuis très longtemps. Beaucoup d'efforts en termes de, avec les parties prenantes, le ministère de l'Environnement et Recyc Québec, en ce qui a trait à la transition vers un nouveau régime de responsabilité élargie des producteurs. Donc, je ne passerai pas tous les exemples. Mais il y a ça, il y a un règlement qui s'en vient très bientôt sur la mise en œuvre. Et aussi, un autre impact important, c'est l'élargissement de la construction. On va aussi avoir à renouveler d'autres contrats de collecte de matières résiduelles. On continue à déployer certains systèmes informatiques qui nous aident à optimiser notre gestion. En même temps, on va analyser la chaîne de valeur des résidus de construction, rénovation, démolition et aussi, justement, avec un support financier du MEI. Au niveau du complexe environnemental Saint-Michel, les mêmes activités. On va, même si les matières résiduelles ont réduit beaucoup les GES, on va continuer à essayer de s'améliorer de ce côté-là. On a un projet pilote d'utilisation de biofiltres. Et on va aussi initier la décontamination du terrain d'un futur centre de biométhanisation à La Salle. Pardon, Monsieur Lachance. Oui. Excusez-moi, je veux simplement vous aviser qu'il reste 5 minutes pour votre présentation. Okay, c'est bon. Merci beaucoup. Au niveau de la qualité de l'air, c'est la même, c'est à peu près les mêmes, c'est la suite des choses. Au niveau c'est la même chose au niveau de la qualité de l'eau du milieu aquatique, avec aussi la révision de règlement sur la tarification, et j'en passe quelques-uns. Maintenant, le budget, qu'est-ce que le budget 2022, on anticipe une petite diminution de 1 million de dollars dans les revenus, une augmentation de 3 millions de dollars, grosso modo, dans les dépenses. Donc, c'est à peu près les mêmes raisons que pour les écarts ou l'évolution budgétaire que j'ai présentée tout à l'heure en 2021. Le budget 2022, j'attire votre attention sur une réduction des dépenses de près de 4 millions pour les matières recyclables. On a vu pourquoi tout à l'heure à cause de la valeur des matières et aussi l'augmentation de certaines dépenses en lien avec le contrat de collecte et le traitement des matières organiques. Il y a, grosso modo, c'est la même main-d'œuvre ou un poste près. Donc, ça fait le tour du budget de fonctionnement. Au niveau du PDI, maintenant, il y a beaucoup d'éléments là, que je vous ai déjà mentionnés. On va poursuivre l'amélioration de la performance du centre de tri à la Chine, qui est toujours un enjeu. Tout en travaillant, je vais livrer les centres de compostage et de biométhanisation qui sont prévus. Et en même temps, on est toujours à faire l'analyse des besoins futurs en infrastructure. On va compléter le travail d'amélioration du réseau de surveillance de la qualité de l'air. Cette page-là présente grosso modo des activités récurrentes ou régulières au niveau du PDI, donc je passe rapidement. J'ai déjà mentionné l'annonce d'un investissement dans les pages précédentes, donc c'est la suite. Et aussi, on continue à travailler avec la DRSP, justement pour la production de documents qui vont venir faire le point sur la qualité de l'air à Montréal. Le centre de compostage à Saint-Laurent est rendu complété à 65-70. On explique ici qu'il y a un certain retard au niveau de l'échéancier qui est dû principalement à la pandémie.
autant pour le centre de Saint-Laurent et que Montréal-Est, on prévoit, je dirais, la réception des premières tonnes en 2022. On va continuer aussi à faire la réception. En fait, la réception provisoire du centre de tri de la Chine n'est pas faite et on fait une gestion contractuelle très serrée. Au niveau maintenant d'un centre de tri de l'Est, présentement, c'est sur la glace, justement en raison du changement de gouvernance des matières recyclables. Ça, j'en ai parlé. Donc, PDI. Un PDI de près de 450 millions. Au niveau du conseil municipal, on parle d'une quarantaine de millions. C'est surtout ou presque exclusivement des outils collectes de matières résiduelles. Au niveau du conseil d'agglomération, on parle d'un peu plus de 412 millions. Et évidemment, c'est au niveau du développement que ça se passe. J'attire votre attention aussi sur le fait que dans la deuxième partie du PDI, il va y avoir vraiment une diminution importante des investissements. Maintenant, quand on regarde ça, c'est les programmes. Ici, on parle des outils de collecte. Donc, vous avez la liste des programmes ici qui sont des programmes normaux. Et maintenant, la liste des projets, donc, ce sont des chiffres au brut. Donc, centre de compostage, vous avez ici là, les différents montants qui sont prévus au PDI pour cette année et les années à venir au niveau des infrastructures. Donc, centre de compostage de Saint-Laurent, biométhanisation de Montréal-Est, les plus gros montants. Les outils de collecte de matière organique qui visent l'implantation de nouvelles collectes. 57 millions pour le centre de tri de matière recyclable de l'Est. Celui-là, en fait, au net, c'est zéro parce qu'on attend évidemment le résultat de la réflexion là, en lien avec la responsabilité élargie des producteurs. Et vous avez aussi l'autre gros projet qui est le centre de biométhanisation de la salle qui vient plus loin avec la construction des éco-centres. Et voilà, c'est terminé. Merci, M. Lachance. Ça a été très efficace pour les dernières pages. Je sais que c'est toujours pas évident là, de communiquer un service d'une telle ampleur en quelques minutes, mais c'est le drame de notre commission, en fait. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Nous allons donc passer à la période de questions du public. Il n'y a qu'une seule question du public, c'est celle de M. Pierre Pagé qui représente l'organisme Montréal pour tous. Madame Laforce, si vous pourriez copier-coller la question dans le clavardage, ce serait apprécié. Merci. Donc, bonjour et merci de votre travail. De nombreux citoyens déposent moins souvent leurs sacs d'ordures ménagères vu les progrès du recyclage et du compostage. Avez-vous envisagé la possibilité de réduire de façon importante la fréquence de la cueillette des ordures ménagères, par exemple en dehors des périodes chaudes de l'été? Et ce, avec quel calcul de baisse de dépenses et de réallocation des frais de cueillette, de recyclage ou de compost? Monsieur Lachance? Bien, merci pour votre question qui est tout à fait pertinente. En fait, ce sont des scénarios qu'on regarde à chaque fois que l'on a des contrats à renouveler. C'est des échanges qu'on a aussi avec les arrondissements et je prendrai comme exemple, justement, il y a un projet pilote qui se fait dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui vise justement une réduction de la collecte des ordures. Projet pilote qui est annoncé, qui va être en branle en 2022. Et évidemment, là, on a vraiment hâte de voir de quelle façon que ça va se dérouler, ce projet-là. Je dois aussi mentionner que dans l'arrondissement de Saint-Laurent, il y a la collecte d'ordures est aux deux semaines depuis un certain nombre d'années. Donc, dans le projet pilote avec M. Chalaga-Maisonneuve, ce qu'on veut faire aussi, c'est aussi tester d'autres types de clientèle, entre autres, pour voir de quelle façon on est capable d'aller plus loin justement dans la réduction des collectes et pour voir s'il va vraiment y avoir des économies générées, ce qui n'est pas nécessairement un acquis par rapport à une réduction de la fréquence de collecte. Et il faut aussi prendre en considération le cadre bâti qui est très variable, je dirais, à Montréal. Et c'est justement une des raisons pour laquelle on veut tester cette
on veut tester des choses au niveau de différentes configurations de cadres bâtis. Merci, Monsieur Lachance. On est très fiers dans notre arrondissement de participer conjointement avec vous à ce projet pilote-là. Et on est confiant que ça va être une réussite avec le professionnalisme conjoint de nos équipes respectives. Donc, cela termine la période de questions du public. On va donc entamer la période de questions des élus et des commissaires et nous allons commencer, comme toujours, par nos deux vice-présidents. Je laisse donc la parole à M. Bourrel. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil d'agglomération a adopté, avec la dissidence des villes liées, les contrats de renouvellement pour le traitement par compostage et ou biométhanisation d'un total de 85 000 tonnes de résidus organiques mélangés parce que ce contrat a un impact important sur nos contrats locaux de collecte. Depuis 2 ans, nous devons assumer une surprime pour le transport des collectes qui transitent désormais à Montréal-Est ou à Saint-Hubert, plutôt que dans la région de Vaudreuil. Les villes liées, plus particulièrement ceux de l'ouest de l'île, souhaitent qu'on aborde, si vous le pouvez bien, l'état de situation des divers projets de traitement des matières organiques et l'évolution budgétaire de ceux-ci. Vous en avez déjà parlé un peu dans votre présentation, mais quel est l'état des lieux concernant l'avancement du projet de Saint-Laurent, ainsi que les projets à Montréal-Est et La Salle. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est où en sommes-nous dans le calendrier de réalisation des projets et où en sommes-nous du point de vue financier, notamment les dépassements de coûts? Bien, merci, M. Bourrel, pour votre question. Donc, je vais y aller de façon un peu plus… vous avez tout à fait raison quand on regarde les contrats, en fait, j'ai besoin de faire un petit historique justement pour parler des contrats de collecte de matière organique, entre autres, et de traitement de matière organique. Depuis, en fait, ça a commencé en 2008. Et puis, en fin de compte, même au fil des années, il y a eu très peu de joueurs qui se sont manifestés justement pour traiter et composter la matière. Donc, ça, c'est une réalité et c'est pas pour rien que on veut et on a soumis et on est en train de construire justement les centres de traitement, donc centre de compostage à Saint-Laurent et Montréal-Est. L'idée, c'est justement de ne plus, entre autres, là, de ne plus être à la merci du marché où, à un moment donné, le marché répond où on est capable d'aller porter les matières relativement près. Et d'un autre côté, le marché répond qu'il faut qu'on envoie la matière se faire composter très loin avec les impacts que vous avez expliqués au niveau des contrats de collecte. Effectivement, on vit tous cette situation-là. Maintenant, pour ce qui est l'idée, l'avantage qu'on a par rapport au centre de traitement de matière organique et la vision qui a été développée au fil des années, c'est justement d'avoir des infrastructures qui sont capables de traiter les matières le plus proche possible du lieu où elles sont générées. Donc, centre de compostage à Saint-Laurent, centre de biométhanisation à Montréal-Est et un autre à La Salle pour minimiser les distances de transport et ne plus avoir à se soucier d'un contrat, d'un renouvellement de contrat à un autre. Est-ce qu'on va être loin ou proche puis quel genre d'impact que ça va avoir sur nos contrats? Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Pour ceux qui sont passés près de l'autoroute 13 ou à l'angle Henri Bourassa, autoroute 13, vous voyez le centre de compostage, c'est un bâtiment très imposant. Il est à 65-70%. En fait, c'est pas juste le bâtiment, le projet est à 65-70% complété. Et on va graduellement au cours de l'année 2022, donc dans la deuxième portion de l'année 2022, commencer à détourner des matières qui viennent des contrats, donc qui vont à l'extérieur vers le centre de compostage à Saint-Laurent. Ça, c'est clair, on va faire ça dans la deuxième portion de 2022. Pour ce qui est maintenant de l'impact ou des… vous parlez de dépassement de coûts, il n'y a pas de dépassement de coûts anticipé pour le projet de centre de compostage ni de centre de biométhanisation montréaliste. Ce sont des contrats forfaitaires qui ont été octroyés il y a 2 ans. Et donc, ça suit son cours. Pas de dépassement de coût pour Saint-Laurent non plus? Non.
Donc, c'est de la gestion. Écoutez, on est dans la gestion contractuelle normale. En fait, il y a l'impact, en fait, je peux tout de suite aller du côté de l'impact de la pandémie. L'impact de la pandémie a été plus au niveau de l'échéancier du projet que des coûts. Alors, et c'est pour ça qu'on était obligé de revenir à la charge avec des nouveaux contrats de collecte pour justement ajuster les nouveaux contrats de collecte, donc la fin des nouveaux contrats de collecte avec la fin des comptes, du projet de centre de compostage ou de biométhanisation. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. On peut passer à la parole au vice-président de la commission, M. Desbois. Merci, Monsieur le Président. Donc, je continue dans la même ligne sur les centres de traitement de matière organique. Les centres de compostage Saint-Laurent et biométhanisation de Montréal-Est sont essentiels pour atteindre nos objectifs avec une capacité de traitement cumulant 110 000 tonnes. Pourtant, on remarque que la livraison, comme vous avez dit, prend du retard, notamment à cause de la COVID, si on se réfère à la page 15, et vous l'avez mentionné verbalement. Mais toujours selon la présentation, l'état d'avancement des travaux pour le centre de compostage de Saint-Laurent était de 65 % à la fin de 2021. On n'a pas l'état d'avancement des travaux du centre de Montréal-Est, donc on aimerait bien avoir ça aussi. Sans ces centres de traitement, il sera difficile d'élargir la collecte dans les immeubles de 9 logements et plus pour atteindre une couverture de 26 % à la fin de l'année, tel qu'il est mentionné. Considérant les précédents retards accumulés, la période incertaine de la pandémie, comment pouvez-vous nous assurer que ces deux centres seront bel et bien livrés dans les temps, soit pour le second trimestre de cette année pour Saint-Laurent et pour la fin d'année pour Montréal-Est? Par ailleurs, quel est l'état d'avancement des travaux de ce dernier centre? Et à la page 71 du budget 2022, un des objectifs est de réviser la planification des autres CTMO pour répondre adéquatement aux besoins à long terme. J'aimerais avoir un portrait du plan de match pour le déploiement des autres CTMO sur le territoire montréalais. Merci. Donc, je vais y aller. Il y a plusieurs volets à votre question. Donc, pour ce qui est du centre de compostage de Saint-Laurent, écoutez, le bâtiment est tout à fait totalement fermé. En fait, on voit moins de différence à l'extérieur que l'action qui se passe à l'intérieur pour justement s'assurer qu'on va le livrer en temps. Ça, on est tout à fait conscient, confiant qu'on va livrer le centre de compostage là, dans la deuxième portion de 2022. Ça pour nous, là, ça va bien de ce côté-là. Vous parlez du centre au niveau de Montréal-Est. Celui-là, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux de fait plus. Bon, la décontamination et tout ce qui est, ça paraît pas là, beaucoup, justement. Puis M. Blain pourra peut-être compléter ma réponse justement là, par rapport au taux de réalisation. Celui-là, il ne faut pas oublier que le contrat pour celui de Montréal-Est avait été octroyé un peu après du centre de compostage. Il y avait déjà un petit décalage entre les deux projets. Maintenant, celui-là, on est confiant d'être très, très plus qu'avancé. Mais je vous dirais, ça va être serré pour la fin de l'année. Alors, c'est pour ça qu'on a dit que les premières tonnes, au lieu d'être peut-être plus mi-année dans le cas de Saint-Laurent, ça va être plus vers la fin de l'année. Et évidemment, il y a moins de bâtiments, il y a plus d'équipements de procédés. Alors, les choses avancent quand même. Il y a des équipements qui ont été déjà commandés, évidemment. Alors, ça va paraître beaucoup plus rapidement, je dirais, en cours d'année. Peut-être, M. Blain, pour l'aspect de l'avancement, pour la suite. Au niveau de l'usine, toutes les fondations sont faites. Les principaux équipements sont essentiellement des réservoirs qui sont actuellement en assemblage sur le site. Pour minimiser les risques, tous les équipements aussi sont déjà fabriqués et entreposés en Ontario. Alors, et la structure est en construction actuellement. Alors, tous les éléments avancent en parallèle et ce qui nous importait, c'est que les matières sont là. Il y a eu certaines problématiques sur les chaînes d'approvisionnement pendant la pandémie. Alors, l'entrepreneur a pris de l'avance sur différents fronts et les équipements sont déjà fabriqués. Alors, ce qui nous rassure, puis évidemment, ce qui va minimiser les risques de retard possible.
Au niveau maintenant de la planification des autres infrastructures, il y a des choses qui paraissent déjà dans le PDI. Il y a un certain temps, il y avait un centre de compostage dans l'est de l'île qui était prévu. Dans le PDI, vous voyez plus de montants présentement. On ne voit pas pour le moment. La planification se poursuit, là, mais pour le moment, on ne voit pas nécessairement de besoin à court terme pour un autre centre de compostage dans l'est de la ville. Et pour ce qui est du centre de biométhanisation de La Salle, on concentre nos efforts sur la décontamination du terrain qui va se terminer vers 2024. Et au meilleur de notre connaissance, évidemment, quand est-ce qu'on va réaliser celui de La Salle, c'est qu'on regarde toujours la production ou le détournement des matières organiques. Fait que pour moi, celui de La Salle, selon le PDI qui est là, ça devrait voir le jour plus autour de 2026, 2027. Donc, c'est un peu plus tard dans le temps. Mais on va le construire au moment où on va en avoir besoin. Et on a toujours les contrats qu'on a actuellement là, pour venir compenser la capacité de traitement des infrastructures. D'accord, merci, M. Lachance. Bienvenue. Merci. Maintenant, la parole à M. De Souza. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. M. Lachance, c'est vraiment un plaisir de vous voir. On a travaillé ensemble pour longtemps et puis j'apprécie énormément le travail que vous et les autres membres de votre équipe font. Donc, je peux vous dire, Mme Monger, vous êtes chanceuse d'avoir une équipe aussi formidable, dévouée comme celle de le service de l'environnement. Ayant dit ça, j'aimerais bien que si brièvement vous pouvez aborder la question de qu'est-ce qui est prévu sur le 3 de la CTMO Saint-Laurent. Est-ce qu'il y aura des serres? Est-ce qu'il y a un toit vert et autres? Mais je vous laisse répondre, mais ma question est dans le sens plus comme dans le contexte du budget de l'élection générale. Nous avons appris que la ville comptait d'élaborer un budget carbone. Donc, l'implantation de ce budget carbone requiert des fonds et la formation des divers services. Et on n'a pas vu des montants nulle part dans le budget sur ce budget carbone. Donc, est-ce que vous serez en mesure de me dire si les formations sont prévues pour les directions de la ville au sujet de cette confection de budget carbone, s'il y a des fonds prévus, mais dont à quelle hauteur et quel est l'échéancier prévu pour cet objectif? Il y a deux questions. Pour ce qui est du budget carbone, je vous demanderais peut-être de rediriger la question vers le Bureau de transition écologique qui est l'unité maintenant à la ville là, qui regarde tout l'aspect là, des plans de réduction de gaz à effet de serre. Donc, je pense que de ce côté-là, ce sera le meilleur chemin. Par contre, pour ce qui est des serres, qu'est-ce qui est prévu au niveau de est-ce qu'il va y avoir une serre ou pas sur le toit du centre de compostage de Saint-Laurent? Ce qu'il faut rappeler, c'est que la conception du centre de compostage a été faite pour accueillir ce type d'infrastructure-là. Donc, à même la conception, à même le projet, on va être en mesure d'accueillir une serre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a quelques années, on avait lancé un appel d'intérêt pour voir qui, au niveau de l'agriculture urbaine, des joueurs externes, étaient intéressés à venir s'installer. Il y en avait eu certains. Maintenant, les choses évoluent. Il y a eu un autre appel d'intérêt qui a été lancé en cours d'année. Par nos collègues des immeubles, justement, pour voir, est-ce qu'il y a un intérêt de ce côté-là d'un joueur externe pour venir s'installer? Donc, nous, il n'y a pas d'argent pour construire des serres de la ville, mais le centre de compostage est tout à fait prêt et capable d'accueillir ce genre de services-là ou d'infrastructures. Et est-ce que vous avez des nouvelles vis-à-vis des expressions d'intérêt? Je sais qu'il y en a, mais je ne peux pas vous donner le détail. Alors, ce n'est pas moi qu'il y a ce détail-là.
mais il y avait au moins un joueur qui était intéressé. Donc on continue à travailler là-dessus. Évidemment, on veut pas avoir pris en compte à la conception du centre de compostage ce type de possibilité-là sans que ça se réalise par la suite. Merci. Merci, oui. Monsieur le Président. Merci. Maintenant, Madame Goulet. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à ma collègue, Madame Mauger, et merci, Monsieur Lachance, pour votre présentation. Alors, la Ville met en place des actions concrètes qui visent la réduction à la source, telle que c'est prévu à notre plan directeur de gestion des matières résiduelles, afin de viser le zéro déchet dont Mme Mauger a parlé tout à l'heure en 2030. On a adopté en septembre dernier un règlement visant le bannissement des sacs en plastique qui prendra effet cette année. Pouvez-vous nous donner davantage de détails sur la mise en œuvre de ce règlement-là, puis l'accompagnement des établissements qui va être prévu? Et aussi, pouvez-vous nous faire part des plans de communication qui sont prévus pour l'entrée en vigueur de ce règlement-là sur les sacs en plastique, mais aussi sur les plastiques à usage unique au printemps 2023. Merci. Bien, merci pour votre question. Écoutez, enfin, je vais débuter la réponse, mais je vais demander à ma collègue, Mme Murat, de compléter. Dans le fond, en termes d'accompagnement, on a à l'interne, au niveau du service d'environnement, on a la division d'inspection des aliments qui va dans les restaurants, dans différents commerces, je dirais, tous les jours. On va mettre à contribution notre équipe justement pour transmettre l'information ou la disponibilité de l'information à ces commerçants-là. On travaille depuis le début avec le service de développement économique de façon très, très étroite dans ce projet-là. À même le réseau et le 3-1-1, même le réseau du développement économique pour rejoindre les commerçants et on va utiliser aussi différents moyens qui sont plus du ressort habituellement du service de développement économique pour rejoindre l'ensemble des joueurs qui vont être touchés par ce règlement-là. Je laisserai la parole peut-être à Mme Hura pour compléter la réponse avec plus de détails justement en lien avec le plan COM, entre autres. Oui, donc effectivement, là, pour les deux règlements, donc tant le règlement sur les sacs d'emplettes que le règlement interdisant les articles à usage unique en plastique, ces deux règlements-là ont fait l'objet de beaucoup de démarches en collaboration avec le service des communications, le service du développement économique et nous-mêmes. Donc, en 2021, il y a un certain nombre de choses qui ont quand même déjà été faites. Donc, juste pour vous en citer quelques-unes, ça, c'est vraiment coordonné au niveau du service de la communication. Il y a eu des relations médias, une stratégie dans les médias sociaux où on a parlé beaucoup de ces deux règlements, ce qui était à venir. Il y a eu le développement aussi d'une boîte à outils qui va viser les commerçants. Donc là, en 2022, si 2023, on est vraiment dans une démarche plus ciblée auprès des commerçants pour les outiller en termes d'informations sur non seulement les règlements, mais éventuellement les possibilités, les alternatives qu'ils auront donc à établir ces canaux de communication-là, comme M. Lachance le mentionnait. On a, en fait, c'est la semaine prochaine, on commence une distribution d'informations auprès des commerçants, des restaurateurs. On donne une petite carte, une petite fiche où ils peuvent aller en ligne, aller chercher toute l'information, mais aussi on a le numéro de téléphone de la ligne d'affaires qui, elle, on a des gens du service du développement économique qui sont là pour répondre à ces questions-là. Donc, on met tout en place pour que non seulement les réglementés, mais aussi les citoyens qui peuvent contribuer à cet effort-là et toute l'information requise. Merci. Donc, la parole à Mme Grondin. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. Lachance, pour cette présentation. J'en profite aussi, M. Lachance, là, pour saluer les efforts de vos équipes et les féliciter là, dans le cadre du projet d'élargissement de la consigne. Donc, je crois que c'est névralgique. Alors, ma question concerne les résidus de CRD, donc construction, rénovation, démolition. Évidemment, on vit une crise climatique actuellement qui est déjà bien entamée, qui est sans précédent. Évidemment, les citoyens doivent faire leur part ainsi que tous les paliers de gouvernement.
et il faut absolument que ces mesures-là soient au cœur de tous les plans stratégiques. Alors, la réponse doit être majeure et structurelle. Et l'économie circulaire, bien, ça apporte justement une réponse structurelle importante qui permettra de réduire les matières consommées, les gaz à effet de serre aussi directement liés à la production de ces matières-là. Donc, je me réfère à la page 16 de votre présentation. Vous mentionnez avoir procédé à la caractérisation des résidus de CRD en 2021. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur l'importance de cette catégorie de matières et le taux de détournement actuel? Et puis, vous parliez aussi un petit peu plus loin là, d'un projet pilote avec le MEI. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu plus de détails là, sur ce projet-là et les objectifs visés? Merci. Merci pour votre question. Écoutez, même si, la catégorie des matières, résiduelles, les résidus de construction, rénovation, démolition, même si les taux de détournement et les efforts des dernières années ont été payants, si on veut arriver à zéro déchet, ben on se doit encore de continuer les efforts de ce côté-là. Il y a les matières qui sont récupérées via, je dirais, nos éco-centres et nos collectes à nous, mais il y a aussi tout le volet des industries, commerces, institutions qui génèrent ce type de matières en quantité quand même importante. Et ce secteur-là, en fin de compte, les quantités générées par ce secteur-là, qui est non municipal, ont un impact, je dirais, financier sur la performance des villes. Alors, on se doit, nous, d'être exemplaires et aussi peut-être de réaliser des projets qui peuvent bénéficier à d'autres, dans d'autres secteurs. Donc, c'est de là l'importance de continuer à travailler là-dessus. Et je passerai la parole encore à Mme Murat sur les détails, justement, là, de l'entente qu'on a avec le MEI. Vas-y, Paula. Excusez-moi, j'avais perdu le bouton. Donc, effectivement, on a pu bénéficier d'un soutien financier du MEI qui, le MEI et le ministère de l'Environnement du Québec constatent l'effort à faire au niveau des CRD, d'où la disponibilité de ces sources financières-là. Donc, concrètement, ces montants vont nous permettre de faire, c'est d'aller plus loin dans la caractérisation. La caractérisation qu'on veut faire, c'est les CRD qui transitent à travers nos éco-centres, c'est des volumes importants. Il y en a aussi une quantité importante dans les clos de voirie. Il y a aussi des CRD qui sont générés par nos projets de construction, les projets municipaux de construction, de démolition. Donc, cette caractérisation-là, elle est fondamentale parce que c'est à même cette information-là qu'on est à mesure d'évaluer où sont les efforts à mettre. Les CRD, là, c'est une quantité importante de types de résidus. On n'a pas les mêmes enjeux si on parle de gypse que si on parle de bois. Et c'est à partir de ces données-là qu'on va être en mesure d'identifier des voies et créer d'autres voies de valorisation. On va vouloir aussi travailler très près, évidemment, avec le ministère là-dessus parce que la Ville de Montréal, à elle seule, ne peut pas créer des avenues de valorisation. Donc, mais on contribue de façon très, très significative à cet effort-là. Puis juste pour terminer, on a commencé effectivement la caractérisation en 2021. On est à analyser les données, cette première partie de données, mais on a encore la caractérisation qui est prévue en 2022. Et je m'excuse, il y a un projet pilote sur le gypse aussi, qui est quand même important. C'est un projet pilote sur le gypse qui transite via nos éco-centres. Donc, c'est extrêmement concret là, comme projet. Puis, ça va nous permettre de voir aussi si on gère cette matière-là de la façon la plus efficace possible avec les infrastructures qu'on a à disposition. Excellent. Merci à vous deux pour les détails. Merci. Maintenant, la parole à Mme Sigouin. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Lachance et à toute votre équipe. Merci beaucoup pour la présentation. Ça nous permet vraiment de mieux prendre la mesure de tout ce qui est fait concrètement par votre service. Je référais à la page 8 de votre présentation pour ma question où est mentionné un investissement de 1,2 million de dollars pour un projet conjoint entre la Ville et la DRSP pour l'amélioration du réseau de surveillance de la qualité de l'air. Alors, il est question de donner un plus grand accès en données ouvertes, mais pouvez-vous nous donner un peu plus de détails par ce qui est visé par le projet, puis les bénéfices qui en découleront sur la qualité de l'air à Montréal. Puis je pense particulièrement à deux secteurs, évidemment tout le secteur des raffineries dans l'Est et du nouvel échangeur Turcot
dans l'arrondissement que je représente là, dans le sud-ouest. Merci. Merci pour votre question. En fin de compte, ce projet-là est issu de recommandations qui viennent d'un groupe de travail qu'on a constitué justement avec, on a amené autour de la table la DRSP, mais aussi le ministère de l'Environnement et l'INSPQ, entre autres, pour avoir, je dirais, le maximum de connaissances et pour justement identifier les meilleures opportunités d'amélioration sur notre réseau de surveillance de qualité de l'air. Concrètement, bon, il y a déjà des données ouvertes qui ont été, je dirais, ajoutées en cours d'année 2021. Ça fait partie de des recommandations, des choses qui pouvaient se faire rapidement. Maintenant, on est en train, justement, là, en fait, ce que ça va viser, c'est l'implantation d'une, je dirais, on est habitué, là, dans le réseau de surveillance de qualité de l'air, d'avoir des stations de mesure fixes. Maintenant, la meilleure solution, en fait, une des solutions qu'on va amener, c'est, ça va être justement d'avoir une station mobile qui on va pouvoir justement, et vous parlez de certains secteurs, la station mobile va être installée dans l'est de Montréal dans un premier temps, justement pour s'assurer de confirmer certaines mesures, parce que même sur le réseau actuel est quand même bien réparti, on va pouvoir la localiser de façon stratégique pour venir confirmer là, certains types d'émissions de polluants et peut-être même plus proche des citoyens. De quelle façon? Et aussi, cette information-là pourra servir à la DRSP pour venir confirmer bien, est-ce qu'il y a un impact sur la santé ou pas. Souvent, on a des mesures, mais on a aussi des méthodes plus mathématiques et empiriques de venir calculer des expositions des citoyens. Maintenant, avec ce type d'outil-là, on va pouvoir aller mesurer concrètement sur le terrain beaucoup plus proche. Ça va être très concret. Ça, c'est un des volets. On va aussi ajouter certains autres équipements, entre autres, là, sur une station le long de Notre-Dame, où on a quand même pas mal d'informations, mais qu'on veut continuer à acquérir d'informations additionnelles, justement en lien avec l'impact sur le trafic, la circulation automobile, etc. Non seulement, c'est pas juste les industries, là, il y a d'autres types d'activités qui peuvent générer ou qui génèrent justement ce type de choses-là. Et on va aussi intégrer, je dirais, des équipements qu'on n'a pas actuellement, entre autres pour mesurer les particules ultrafines. On a une bonne idée de l'impact des particules fines. Ça, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on mesure ça. Mais maintenant, il y a des paramètres émergents et qui font en sorte qu'on va aller acquérir de nouvelles informations de ce côté-là. Je ne sais pas si M. Dib qui est là, j'ai peut-être oublié des éléments, là. Je ne sais pas, Jimmy? Non, bonjour à tous. Non, je crois que c'est bien complet, effectivement. Donc, le 1.2 va servir à améliorer le réseau actuel, donc en ajustant des équipements dans les 11 stations permanentes, mais également pour l'acquisition d'une station mobile qu'on va pouvoir installer quelque part pendant un certain moment. On vise à peu près une année pour connecter le plus de données possible, puis partager l'information avec la santé publique, puis ainsi de suite, bien, déplacer la station selon les critères qui vont être établis avec la santé publique et l'INSPQ. Évidemment, les résultats vont être disponibles. Là, il y a beaucoup de données ouvertes par rapport à la qualité de l'air, donc c'est de l'information là, qui va être disponible aux citoyens. Puis ultimement, est-ce que ça sert à ce que la qualité de l'air soit améliorée si les données sont inquiétantes ou soulèvent des enjeux? Est-ce qu'on se sert de ces données-là par la suite pour qu'il y ait des changements concrets? Tout à fait. Bien, en fin de compte, c'est des choses qui ont été faites dans le passé. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations de qualité de l'air au fil des 20 dernières années. Je vais vous donner, il y a eu un règlement il y a quelques années, justement, sur la teneur en soufre dans l'essence. Donc, le réseau de surveillance nous permet de voir est-ce qu'il y a vraiment un réel impact. Et ça a été la même chose pour le chauffage au bois. Est-ce qu'il y a vraiment un impact? Est-ce que ce qu'on a posé comme geste donne des résultats? Donc, oui, on peut anticiper avec l'information qu'on a, et c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on a, en fait, en Rivière des Prairies, pour pas nommer la station qui est dans ce coin-là,
On sait qu'il y avait une forte concentration, il y a toujours une forte concentration de foyers au bois. Donc, on a fait un suivi vraiment serré de ce côté-là. On avait le portrait avant et maintenant, on a le portrait après de l'impact du règlement sur le chauffage au bois. Donc, oui, ça fait en sorte qu'on se re-questionne et peut-être que dans certains cas, on pense que ça va bien. Ça peut nous amener à découvrir certaines choses et qui vont nous amener à poser des gestes dans le futur pour continuer à améliorer la qualité de l'air à Montréal. Parfait. Merci beaucoup pour les réponses. Bienvenue. Merci. Monsieur Graton. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Lachance. Bonjour à votre équipe. Ma question concerne les effets de la pandémie sur votre service. Vous avez mentionné au début de votre présentation que la pandémie a eu un impact en 2021 sur les activités du service et que les différents mandats se sont quand même continués dans ce contexte. Donc, pourriez-vous élaborer un peu sur les impacts, autant au niveau des activités, des projets, que sur le volet financier, les impacts qu'ont eu la pandémie? Oui, parfait. Merci pour votre question. En fait, je pense que ce qui est important de mentionner au tout début, c'est que oui, la pandémie a eu un impact, mais il y a plusieurs gestes qu'on a posés pour minimiser. En fait, ça nous a demandé beaucoup d'efforts, là, et je regarde au niveau des matières résiduelles, aucun service n'a été abandonné pendant la pandémie. Donc, que ce soit l'opération des éco-centres, quoi que ce soit, ce service essentiel-là a continué et a été rendu. Oui, il y a eu un impact sur la génération de quantité de matière. On l'a vu un petit peu tantôt. Là. C'est évidemment le fait que les gens sont plus à la maison. Il y a eu des transferts, je dirais, de génération de matière qui nous ont amené à poser certains gestes. Je vous ai mentionné tout à l'heure les retards que ça a engendré au niveau des centres de traitement de matière organique et aussi en même temps, surtout celui-là. Mais je dirais les deux projets qu'on ne parle pas nécessairement ou pas beaucoup. Il y a eu tout ce qui est le système de traitement ou de récupération d'eau souterraine au parc d'entreprise de Pointe-Saint-Charles, où ça s'est terminé, je dirais, pendant la pandémie. Même s'il y a eu certains retards, on était en mesure de les compléter. La même chose, le système de traitement d'eau au complexe environnemental de Michel, où je dirais, l'impact des fournisseurs, en fin de compte. Toute la chaîne d'approvisionnement, à un moment donné, oui, il y avait un échéancier de départ, mais les équipements viennent d'un peu partout. Alors, il y avait un impact de ce côté-là. On était quand même capable de livrer ces projets-là. Je regarde au niveau de l'inspection des aliments. Pas besoin de vous faire un dessin que le secteur de la restauration a été fortement touché par la pandémie. Donc, évidemment, l'équipe de l'inspection des aliments a eu à s'ajuster, à ajuster ses activités. Il y a certains établissements qu'on n'allait plus là-bas, parce que, bon, que ce soit au niveau des établissements de santé, il a fallu se réorganiser aussi à l'interne. Beaucoup, pendant cette pandémie-là, les inspecteurs pouvaient se présenter dans un restaurant, puis la porte est barrée, il y en a soit qui sont fermés. Donc, il y a eu moins d'inspections, mais pas parce qu'on n'était pas présent, parce que ce secteur-là a été fortement touché. Et au niveau du contrôle des rejets du suivi environnemental, on a eu aussi à s'ajuster de ce côté-là, justement par rapport à l'échantillonnage de certaines compagnies qui, à un moment donné, étaient des services essentiels, des fois ça ne l'était pas. Alors, on a été en mesure de s'ajuster et de donner. Au niveau budgétaire, tantôt j'ai parlé du projet ou des projets de centre de traitement de matière organique, et il y a un élément en termes de revenus où il y a eu un impact d'un peu moins d'1 million $, c'est qu'au complexe environnemental Saint-Michel, on reçoit des sols faiblement contaminés qui aident à aménager le futur parc Frédéric Bac. Il y a eu des arrêts de chantier liés à la pandémie. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a une diminution de revenus de ce côté-là. Mais ce n'est que partie remise, c'est plus un décalage dans le temps qu'une perte réelle. Parfait. Merci pour les éclairages. Bienvenue. Merci, M. Graton. Madame Journeau.
Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour toute cette information-là, Monsieur Lachance. Moi, j'ai eu la chance de travailler 4 ans dans les écoquartiers, hein, via des prairies, Pointe-aux-Trembles. Et justement, à l'époque, on appelait affectueusement la patrouille verte, patrouille brune également. Donc, les jeunes étudiants et étudiantes qui vérifiaient le contenu des bacs bruns durant l'été. Donc, c'est quand même un job très intéressant, mais on comprend l'importance par la suite pour toute la gestion des matières résiduelles, qui est tout un défi. Puis justement, parlant de défis, dans le fond, ce que j'aimerais vous entendre parler, c'est quoi les défis et les enjeux qu'on a avec le déploiement pour tout ce qui est les logements de 9 portes et plus? On veut quand même atteindre le 100%. Donc, avec les arrondissements qu'on a commencé, c'est quoi les principaux enjeux? Puis comment est-ce que justement vous allez arrimer ces problématiques-là, peut-être avec les écoquartiers ou les communications pour favoriser une meilleure collecte de matière organique? Merci de votre question. En fin de compte, bon, quand on déploie dans ces 9 logements et plus-là, évidemment, on prévoit aussi de l'argent là, pour l'information de sensibilisation et on travaille de concert avec les arrondissements de façon très près. Alors, des fois, c'est pas nécessairement le service d'environnement qui donne les mandats justement aux gens, comme c'est un travail essentiel que les écoquartiers font. C'est de l'information, oui, c'est de la sensibilisation, mais c'est là où on est capable de recueillir l'information tout à fait pertinente pour voir bon, ben, est-ce qu'on a besoin de s'ajuster. Donc, l'information, c'est vrai, mais il faut... Puis la sensibilisation, c'est un défi. Il y a aussi, quand on parle, puis il n'y a pas tant d'exemples de déploiement de ce type de collecte-là dans les multi-logements, mais soit au Québec ou même au Canada. L'histoire, là, il n'y en a pas vraiment pas beaucoup. En fin de compte, on a affaire avec des 9 ou 10 logements, mais on a aussi affaire à des 100, 200, 500, 1000. Donc, ce n'est pas la même game. L'expression, mais c'est ça. Alors, il faut être capable de s'ajuster justement sur quel est le bon niveau, quel est le bon outil à mettre en place pour desservir ce type de clientèle-là. Donc, c'est la variabilité, c'est définitivement du bâti, là, c'est définitivement un enjeu. Qui a un impact, là, je dirais, tout azimut aussi, là, même sur les contrats de collecte, entre autres sur les horaires et sur les journées. On en met, là. Il y a un effet domino. Peut-être, Mme Hura, je ne sais pas si pour là, j'ai peut-être oublié des choses. Bien, la seule chose que je me permettrais de rajouter, c'est pour la complexité des 9 et plus. Le travail a vraiment une étroite collaboration avec les arrondissements est clé dans le succès de tout ça parce que. Plus que jamais, c'est important quand il y a un déploiement que les équipes se reparent, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, puis prendre cette expérience-là, puis la calquer ailleurs, en sachant que vraiment le contexte local du cadre bâti est vraiment, ça peut tout changer. Donc, je voudrais juste souligner l'importance de cette étroite collaboration. Puis elle se fait, là, il y a eu des déploiements important en 2021 pour les 9 et plus, on a vraiment entamé, puis il y a eu des retours d'expérience, des rencontres entre nos équipes respectives, puis ce qu'on veut faire du côté du service de l'environnement, c'est documenter ce retour d'expérience-là pour le partager plus largement. Merci beaucoup. Merci. La parole à M. Botachy. Oui, bonjour. Ma question, c'est concernant le recyclage du verre. Au cours des dernières années, le recyclage du verre et plus particulièrement les bouteilles en verre. Ces bouteilles étaient envoyées dans une décharge pour être éliminées à un certain coût. Est-ce que la situation s'est améliorée et aussi est-ce que la SRQ a fait avancer son projet pilote de conseil et retour des bouteilles qu'elle a initié en janvier 2020? Avez-vous une mise à jour sur ce projet-là pour nous? Merci. Ma réponse va être en deux temps. Oui, les choses se sont améliorées, mais pas nécessairement complètement. Je vais vous donner l'exemple au centre de tri de la Chine. Il y a un équipement de traitement de verre qui a été mis en place. En fait, on a travaillé de longue haleine avec
EEQ, l'organisme là, qui a en fait donné le système de traitement de verre qui a été intégré aux opérations du centre de tri. Le système est en opération depuis le printemps 2021, qui donne des résultats. Le défi maintenant, parce que évidemment, c'est le verre qui sort de là, il y a quand même différentes couleurs. Là. C'est, le système ne sépare pas les couleurs. Il peut travailler la granulométrie, il peut travailler d'autres caractéristiques qui vont faire en sorte de pouvoir être utilisé ailleurs. Maintenant, la prochaine étape, c'est et qu'on travaille pas seulement nous, mais avec EEQ et Recyc Québec, c'est de développer des marchés justement en lien avec l'utilisation de ce type de verre-là. Et ce travail-là reste à faire. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est pas simple. En fait, le défi des matières recyclables, c'est justement l'offre et la demande. Il y a toutes les fois qu'on retire quelque chose, des ordures, ça prend des marchés et des applications pour ces matières-là. Et d'avoir non seulement un ou deux, mais d'avoir une multiplication d'options. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille avec nos partenaires là, externes, justement, pour trouver des marchés pour ce verre-là. Il est encore majoritairement utilisé comme matériau de recouvrement dans les sites d'enfouissement. Je ne sais pas, Eric, tu as peut-être quelque chose à ajouter. Ah, puis la SAQ, désolé. Donc, oui, écoutez, il y a quand même eu le projet pilote dans le site civil, puis pas nécessairement à l'intérieur du projet pilote global qui a été lancé par le gouvernement, mais qui est en place et qui s'est très bien. Là. En fin de compte, c'est pas pour rien, ça a été installé justement près d'une succursale de SAQ. Donc, effectivement, les gens sont beaucoup portés, puis Recyc Québec l'a soulevé, à aller, un des facteurs, je dirais, importants de la participation citoyenne, c'est que les gens vont reporter leur verre près des endroits où ils vont acheter leur provision. Alors, de ce côté-là, le projet pilote se continue. Et pour ce qui est maintenant des autres projets pilotes, il faut quand même souligner l'évolution par rapport à la consigne. Là, pendant des années, il y avait une forte, pas dire extrême résistance à étendre la consigne. La Ville de Montréal s'est toujours positionnée en faveur de la consigne. Ça n'a pas été toujours le cas de l'industrie et de la SAQ. Maintenant, c'est le cas. Donc, la SAQ est embarquée là, dans les projets pilotes. Merci. Merci. Nous avons dépensé l'heure pour l'étude du service de l'environnement. Toutefois, je vois qu'il y a une dernière main levée par le vice-président Desbois. Donc, je vous laisserai, M. Desbois, faire une rapide intervention avant de clore la période de questions des commissaires et des élus. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être bref. Ma question, c'est sur la décontamination des sols. À la page 41, on lit que un des objectifs 2022, puis je vais lire ce que vous avez écrit, c'est d'accompagner les services concernés sur les projets nécessitant une décontamination préalable des sols, support à l'analyse des demandes de subventions dans le cadre des ententes de vigueur 100 millions et 75 millions. Les deux ententes pour la réhabilitation des sols contaminés signés en 2018 et 2019 n'ont pas apporté les résultats escomptés puisque seulement 8 millions ont été dépensés en date du mois de mars 2021. Alors, j'aimerais avoir plus de détails sur les actions concrètes qui permettront d'accélérer la décontamination des terrains à travers le territoire montréalais cette année. Toujours sur le même sujet, est-ce que l'enjeu de la traçabilité lors du transport des sols contaminés est pris en compte par les services impliqués? Merci de votre question. En fait, nous, on est vraiment support au service de développement économique qui gère les ententes, justement, là, de 100 millions et de 75 millions. Il y a eu récemment, là, justement, une rencontre dans l'Est de Montréal, justement, pour essayer de bonifier puis de faire connaître encore mieux ces différents projets. Et on incite, évidemment, le secteur privé aussi
embarquer dans le train pour justement qu'on puisse avancer dans la décontamination des terrains. Nous, le rôle sur les environnements, c'est justement quand on a des possibilités de projets de décontamination, on assure ou on s'assure de donner le service technique adéquat, nécessaire en temps aux gens qui nous soumettent des projets. Donc, pour ce qui est de l'accélération, je pense que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue. De notre côté, en fait, de ce que je connais des activités, entre autres, du service d'environnement, je regarde les projets qu'on a. Il y a le centre de biométhanisation de Montréal-Est où on a procédé la décontamination de terrain. On va aller de l'avant aussi avec de la décontamination de terrain pour le futur centre de biométhanisation à La Salle. Donc, on est très proactif de ce côté-là. Maintenant, sur l'ensemble des projets, ce n'est pas seulement les projets de la ville, mais il y a aussi, c'est aussi ouvert là, à l'externe, ces projets-là. Et je vous inviterai peut-être à poser la question au niveau du service de développement économique sur les différentes actions là, à venir de ce côté-là. Au niveau de la traçabilité, bien, c'est oui, en fait, il y a des exigences dans nos projets. Nous, en fin de compte, à la Ville, on a les moyens nécessaires pour assurer, nous étant là, nous inclusifs, pas nécessairement juste le service d'environnement, on fait dans le cadre de nos projets, mais d'autres services qui se trouvent à gérer des projets d'infrastructure. On a ce qu'il faut comme processus interne pour assurer la traçabilité des projets. Il était question aussi de mettre en place, le gouvernement a développé aussi une application informatique là, qui est en train de se mettre en place, mais on a aussi d'autres moyens d'assurer cette traçabilité-là à même la réalisation de nos projets. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ça donne bien, on rencontre les services de développement économique en fin de journée. Donc, merci beaucoup. Cela termine la période de questions des élus et des commissaires. Nous avons toutefois trois questions de journalistes. Donc, je vais vous les lire et Madame Laforce pourra les copier-coller là, dans le clavardage. Première question de Monsieur Philippe Tessera-Lessard. La page 59 de votre présentation mentionne une absence de réception provisoire malgré une gestion contractuelle serrée au centre de tri de La Chine. De quoi s'agit-il? Merci de nous donner davantage de détails. Donc, j'y vais. Oui. Parfait. Donc, oui, en fin de compte, merci pour votre question. La réception provisoire, présentement, n'est pas faite parce que, en fin de compte, la qualité, ce qu'il faut mentionner, c'est que on a un devis de performance. Donc, on s'attend à un certain niveau de qualité des matières recyclables qui sortent du centre de tri. Le niveau de qualité attendu au niveau du contrat n'est pas encore totalement atteint. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait la réception provisoire du centre de tri. Il faut se rappeler que ce projet-là est fait dans un mode conception-construction et après ça, exploitation et entretien pour un certain nombre d'années. Donc, on est vraiment à mi-chemin, à la fin de, on peut dire, la période de construction, quoique le centre de tri est en opération depuis 2019. Donc, la raison, c'est qu'il y a des critères de qualité qui ne sont pas encore atteints et on utilise tous les leviers nécessaires, contractuellement parlant, pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Merci. Deuxième question de Mathieu Prost, de Radio-Canada. Vous êtes passé rapidement sur les objectifs 2022 en termes de qualité de l'air. Page 42 de votre présentation, vous parlez d'une révision des règlements sur les émissions de contaminants dans l'air, dont un règlement sur la cuisson au bois. Pouvez-vous nous en dire plus? Visez-vous un resserrement ou un assouplissement des règles concernant la cuisson au bois? Est-ce que le chauffage au bois serait aussi concerné? Merci de votre question. Donc, non, le chauffage au bois n'est pas concerné. Le règlement est déjà en vigueur et donne des résultats. Donc, ce volet-là, il est derrière nous pour le moment. Pour ce qui est de la cuisson au bois, effectivement, on regarde pour resserrer les moyens
que ces établissements-là ont en place déjà pour s'assurer d'avoir une qualité de l'air serait intéressante pour les citoyens limitrophes. Donc, oui, on veut aller de l'avant. C'est toujours l'intention d'aller de l'avant pour améliorer cet aspect-là au niveau de la restauration sur la cuisson au bois. Merci. Et dernière question de Jeanne Corriveau du Devoir. Est-ce possible de préciser le coût total du projet de construction du centre de compostage Saint-Laurent et celui du centre de biométhanisation de Montréal-Est? Je vais y aller de mémoire. Donc, celui de Saint-Laurent, et là, c'est 160 quelques millions. Oui, c'est le centre de compostage, mais là-dessus, il y a aussi des coûts d'acquisition de terrain qui ont été faits il y a plusieurs années. Puis pour ce qui est du centre de biométhanisation de Montréal-Est, c'est 130 quelques millions, M. Blain, corrigez-moi si je fais erreur. Je peux y aller plus précisément. Pour Saint-Laurent, c'est effectivement 163 millions de dollars, mais il faut comprendre que ça comprend aussi l'acquisition du site. Le contrat qui a été donné pour la conception et la construction à l'entreprise Suez est de 145 millions de dollars. Pour ce qui est du centre... Excuse, peut-être le 145 millions, ça comprend aussi l'opération, si je me souviens bien. Non, c'est seulement la conception-construction. Si on veut inclure l'opération, c'est 175 millions de dollars. Au niveau du contrat pour le centre de biométhanisation à Montréal-Est, le coût global du projet est de 133 millions de dollars et le contrat octroyé à Suez pour la conception et la construction est de 128 millions de dollars. Merci beaucoup. Donc, cela termine le moment d'étude pour le service de l'environnement. Merci beaucoup, M. Lachance, et toute votre équipe pour votre présence aujourd'hui. Merci encore une fois, Mme Mauger, pour votre présence. Nous allons prendre une pause de 10 minutes et nous allons poursuivre nos travaux avec le service de l'espace pour la vie à 15h03. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci.
C'est parti. Bonjour tout le monde. On poursuit cette séance avec la présentation du budget de fonctionnement et d'immobilisation du service d'espace pour la vie. Ce service est sous la responsabilité politique de Mme Caroline Bourgeois, vice-présidente du comité exécutif et responsable des grands parcs, du Mont-Royal, des sports et des loisirs, d'espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal. Donc, je remercie aussi Madame Julie Jaudoin, qui est directrice du service d'espace pour la vie, qui est ici pour la présentation, et tous les membres de son équipe qui sont là aussi en soutien. Je réitère à Madame Bourgeois et Madame Jaudoin que vous avez 20 minutes pour votre présentation. Et Madame Bourgeois, je vous laisse la parole. Merci beaucoup d'être avec nous. Un grand merci, Monsieur le Président. Président, je vous salue bien sûr ainsi que tous les membres de la commission. On poursuit cette séance avec la présentation. Je m'excuse, j'ai eu un petit enjeu, je pense que tout va bien. Donc, je recommence, je vous salue ainsi que tous les membres de la commission, bien sûr. Madame Jaudoin, c'est toute son équipe, en quelques mots, très, très rapidement, vous dire là, bien fière, bien heureuse aussi de cette responsabilité d'espace pour la vie, qui sont des installations où l'innovation, la créativité, l'apprentissage aussi au profit des Montréalaises, des Montréalais, mais aussi population, vous allez voir, grand achalandage. Malgré tout ce qu'on a pu traverser dans les derniers mois, même les deux dernières années, à quel point Espace pour la vie a su faire preuve d'une très grande résilience, une très grande capacité d'adaptation, même encore tout récemment avec les nouvelles mesures qui ont pu avoir des impacts. Et aussi dans une croissance aussi qui est extrêmement intéressante. Et je pense que vous allez beaucoup, beaucoup aimer cette présentation imagée qui fait rêver, surtout qui nous rend très fiers des installations d'Espace pour la vie. Merci beaucoup, Mme Jaudoin. Je vous passe la parole tout de suite. Merci beaucoup, Mme Bourgeois, pour cette introduction. Bonjour à tous les membres de la commission. Je vais partager à l'instant mon écran. Vous la voyez bien, c'est parfait. On voit bien, merci. Alors, sans plus tarder, j'ai le bonheur aujourd'hui de vous partager nos réalisations 2021 ainsi que les budgets 2022. Alors évidemment, je vous rappelle notre mission, alors Espace pour la vie, par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, accompagne l'humain pour mieux vivre la nature. Ensemble, le biodôme, la biosphère, le jardin botanique, l'insectarium et le planétarium Rio Tinto Alcan forment le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au pays. Arrimé à la vision Montréal 2030, Espace pour la vie a un rôle majeur à jouer en termes de mobilisation des citoyens et des citoyennes pour la préservation de la biodiversité et de la transition socio-écologique. Vous avez ici notre organigramme 2022 où le principal changement que j'aimerais porter à votre attention, c'est évidemment l'ajout de la biosphère, une nouvelle direction dans notre complexe muséal. Alors, évidemment, 2021, c'est une année où on a dû, comme tout le monde, s'adapter à la pandémie de COVID-19, pardon. Et évidemment, ça composait avec les défis qui étaient associés à ce contexte-là pandémique. Puis par là, je vais exprimer les immenses restrictions sanitaires puis les besoins d'adapter notre capacité d'accueil, mais également la pénurie de main-d'œuvre qui a frappé nos installations, surtout pendant la haute saison cet été. L'absence de touristes internationaux, évidemment, dans la métropole cette année. L'annulation de tous nos grands événements estivaux et évidemment le besoin de mobiliser nos équipes dans un contexte où la gestion du changement était prépondérante. Vous allez le voir ici de façon un peu plus imagée, ce qu'on a vécu cette année, dans le fond, ce sont ces multiples adaptations. Alors, en un coup d'œil, vous pouvez voir à quel point nos capacités d'accueil ont été impactées par la pandémie COVID-19. Mais en fait, ce qui manque encore à l'écran, c'est la plus récente mesure. En décembre, on apprenait qu'on devait fermer nos institutions, là, qui ont donc fermé le 22 décembre dernier. Évidemment, 2021, c'est aussi l'ajout à notre complexe muséal d'une cinquième institution. Alors, fort de l'appui des trois paliers de gouvernement, Espace pour la vie a ajouté la biosphère à son complexe muséal. C'est un établissement absolument iconique et Espace pour la vie entend sensibiliser le public aux impacts des changements climatiques et à la perte de la biodiversité et mobiliser les citoyens et citoyennes autour de ces enjeux. 2021, ça a été aussi l'occasion pour Espace pour la vie, soucieux de participer à une relance plus forte, inclusive et durable, de développer un nouveau produit tarifaire qui nous a permis d'offrir nos institutions à un tarif vraiment accessible, abordable à une clientèle de plus en plus diversifiée, et aussi de pouvoir créer une communauté, rassembler les citoyens et citoyennes autour de la grande communauté d'Espace pour la vie.
Alors, on a lancé un passeport qui permet aux visiteurs, visiteuses d'accéder à l'ensemble de nos institutions pour l'année. Et déjà lancé en 30 septembre 2021, on a déjà vendu plus de 13 000 passeports. En fait, les plus récents chiffres au terme de l'exercice financier nous amènent à plus de 14 000 passeports, ce qui a permis de générer des revenus additionnels à la ville de plus de 800 000 $, ce qui est tout de même significatif. 2021, c'est quand même aussi pour Espace pour la vie une année riche en programmation, une programmation qui invite les citoyens et citoyennes à se rapprocher de la nature. Alors, ce sont malgré tout, malgré la pandémie, plus d'une trentaine d'événements qui ont été tenus, déployés de façon virtuelle, mais également un immense renouvellement d'activités Jardin de lumière que les Montréalais et Montréalaises étaient heureux de retrouver, qui a attiré 100 000 visiteurs en cours de l'automne. C'est aussi trois nouveaux spectacles au planétarium, trois nouvelles expositions au Jardin botanique et une programmation extérieure riche et variée. Et également, toute une nouvelle programmation numérique. Je vous nomme, par exemple, les quatre séries de balado jeunesse qui ont permis de générer pas moins de 30 000 écoutes tout de même cette année. Du côté des collections et de la recherche, qui sont aussi des missions fondamentales pour notre service, il y a eu de nombreuses acquisitions ajoutées à nos différentes collections. Il y a eu le développement de programmes de conservation ou de lutte contre des espèces envahissantes. Il y a eu la découverte de nouveaux objets astronomiques en collaboration avec des projets de sciences citoyennes de la NASA. Une centaine de publications scientifiques de nos chercheurs, chercheuses et plus de 40 entrevues accordées par nos chercheurs dans les médias. Il y a même eu des insectes nommés en l'honneur de nos experts, notamment le conservateur de l'insectarium Stéphane Le Tyran. Espace pour la vie souhaite aussi de plus en plus accroître son impact auprès des collectivités. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, on va à la rencontre de nos publics dans les différents quartiers de la métropole où, fort de l'appui de différents partenaires, notamment notre fondation, on arrive à offrir des places gratuitement dans les camps de jour, à déployer notre présence dans les différents quartiers de la ville, à offrir, en collaboration avec les organismes, également des bacs de légumes pour des cuisines collectives. Espace pour la vie, c'est également des programmes citoyens comme les Sentinelles du Nunavik dans le Grand Nord, Mission Monarque ou encore le projet Dôme ou le projet Mon Jardin. Ici, maintenant, vous avez nos indicateurs de fréquentation et de recettes. Ce que je trouve intéressant de vous exprimer aujourd'hui, c'est que rappelez-vous, l'année dernière, on avait 3 millions à peine de revenus et déjà en 2021, on marque des signes de relance significatifs en atteignant près de 15 millions de $ de revenus malgré la pandémie. Parce qu'il faut se rappeler que nos capacités d'accueil, comme je le disais, étaient fort limitées pendant une grande majorité de l'année et qu'également, il n'y avait aucun touriste dans la métropole, ce qui constitue généralement 40 % de notre clientèle. Alors, malgré tout, c'est 1 million de visiteurs qui ont fréquenté les musées cette année et 15 millions de recettes. Maintenant, vous l'avez de format schématisé en graphique. En bleu, vous avez une année type. Donc, ça nous permet d'observer que l'année 2021 en vert, comparativement à l'année 2020 en rouge, a quand même fait preuve d'une relance significative à un tel point qu'on s'approche en cours d'été, pendant notre haute saison, pendant l'événement Jardin de lumière, on s'approche d'une année normale d'opération. Alors pour moi, ce sont des signes fort encourageants. Alors là, vous l'avez ici de façon expliquée, hein, ce que je racontais, un taux d'occupation somme toute très, très performant pendant la haute saison estivale, des fréquentations qui se comparent à une année normale d'opération tenant compte de l'absence de tourisme dans la métropole et l'effort significatif là, de relance marqué par le passeport Espace pour la vie. Nos indicateurs de rayonnement sont également tous à la hausse. Ça veut dire que malgré les fermetures, malgré les capacités limitées de nos institutions, tous nos indicateurs de rayonnement sur les différentes tribunes médiatiques, réseaux sociaux sont en hausse. Notre rayonnement, il s'exprime également par la renommée, la couverture médiatique de nos institutions d'un bout à l'autre de la planète. Là, vous avez ici une chinoise pour le projet Migration du Biodôme. Cette reconnaissance-là, elle s'exprime aussi chez nos pairs dans le milieu, dans les industries, par les accréditations des institutions zoologiques que l'on a reçues, par les 20 prix obtenus par le projet Migration. Donc, on peut être très fiers de ça, mais également des prix remportés par différents experts. Là, je pense notamment à Thierry Boilard, un employé de l'insectarium, dont le prix La photographie a remporté un prix dans le concours La preuve par l'image de l'ACFAS. En termes de satisfaction de la clientèle, notre dernier indicateur et non le moindre, bien, on voit ici que notre clientèle sondée pendant le contexte pandémique a également exprimé une très forte satisfaction. On peut en être fier également.
Maintenant, en termes d'évolution budgétaire, vous avez ici l'évolution au 30 septembre. Donc, bien sûr, ce ne sont pas nos résultats finaux. Donc, ce que j'aimerais vous exprimer, c'est qu'évidemment, au terme de l'exercice financier, ce ne sont pas 12 millions de revenus qu'on aura réussi à faire, mais bien plus de 15. Donc, on a réussi à réduire l'écart. Donc, c'est une nouvelle dont on peut également se réjouir malgré tout. Et là, j'ai un petit souci avec ma présentation. On ne voit pas l'autre page. Hein? Je vais l'arrêter un petit instant puis la reprendre tout de suite dans PowerPoint. Pardon. Ça ne sera pas bien. Je vais juste l'ouvrir à nouveau. Pardonnez-moi. Perdu du temps, je suis désolée. Petite erreur de flux. Alors, nous y revoilà. On était à l'évolution. Vous voyez bien mon écran à nouveau? On voit bien, merci. Voilà. Alors, au niveau de notre évolution, je vous ai parlé là, il y a un petit instant de nos revenus. Maintenant, du côté des dépenses, vous voyez ici qu'il y a des économies qui ont été générées pendant la pandémie en raison de projets qui n'ont pas pu se réaliser, mais également en raison des économies de main-d'œuvre générées notamment par la pénurie de main-d'œuvre qu'on avait en cours d'été. Et également, il y a l'effort de nos musées à la contribution au plan de marge de manœuvre 2021 pour l'équilibre financier. Pardon, Madame Audouin, s'il était possible de vous mettre en plein écran, ça faciliterait la lecture du tableau. Je suis pourtant un peu malheureux. Bon, ben les commissaires, on y a tous accès, là, donc c'est pas dramatique Parce que je suis bien en mode plein écran sur mon poste, ce qui fait même que je ne vous vois plus. Vous le voyez suffisamment? Bien, on le voit, mais... OK, bougez pas, je vais le remettre en... Je vais le remettre en PDF. En espérant que le flux, cette fois-ci, en le réouvrant... comme si les dernières pages n'apparaissaient plus dans le PDF. Mais... J'y arrive. C'est bon. Partager. Je sais que le temps est précieux, je ne veux pas prendre trop de votre temps. Ben, on ne va pas couper sur votre présentation. Mais je vais aller vite. Là, cette fois-ci, est-ce que c'est bon? Je me remets en mode plein écran ici. Là, c'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Parfait. Donc, maintenant, on est rendu aux principaux écarts en budget 2022 comparativement au budget 2021. Alors, ce qu'il faudra souligner, effectivement, c'est l'intégration de la biosphère au budget d'espace pour la vie. Attendez, je veux juste revenir comme il faut. Ici. Budget. Voilà, je vais vous parler d'abord avant tout de nos objectifs 2022 avant de passer au budget. Alors, évidemment, nous, en 2022, on souhaite garder le cap sur ces priorités d'espace pour la vie, d'accompagner l'humain à mieux vivre la nature. Alors, évidemment, on conserve nos quatre missions fondamentales que sont la recherche, la conservation, l'éducation et la diffusion. Alors, on veut poursuivre ces actions-là et accélérer le changement. Donc, rassembler nos collectivités autour de nos programmes de sciences citoyennes demeure effectivement en 2022 une priorité. On veut contribuer à diversifier davantage nos publics en incluant des profils socio-économiques plus variés. On veut bien sûr outiller les publics pour passer à l'action et continuer nos actions de recherche et de conservation pour positionner nos institutions comme des leaders dans leur réseau.
Alors voilà, maintenant, la principale modification, comme je le disais, à notre enveloppe 2022, c'est l'ajout de la biosphère à notre budget. Alors, vous voyez que la biosphère est de compétence agglomération. Donc, il y a un ajout significatif là, de 6 millions qui s'ajoute dans les revenus. Donc, 6 millions provient des gouvernements provinciaux et fédéraux. Et le reste est un apport en revenus de droits d'entrée et de fréquentation dans nos musées. Alors voilà, ici, ça s'exprime, on voit très bien le 6 millions de l'intégration de la biosphère, la hausse d'achalandage que ça va apporter à Espace pour la vie. Le reste de la modification est lié à l'indexation des tarifs dans nos autres installations. Du côté des dépenses, ça s'exprime également. Ce sont 34 postes qui sont ajoutés à Espace pour la vie pour soutenir les opérations de la biosphère. Il y a une part de ce 6 millions qui est distribuée vers d'autres services de la ville, notamment aux services partenaires, là, qui est le service de la planification de la gestion immobilière. Donc, c'est pour ça que le 6 millions s'exprime en revenus, mais vous voyez 4,5 en dépenses, parce que ce sont les dépenses qui seront attribuées à Espace pour la vie pour l'opération du musée. Dans les catégories d'emploi, ça s'exprime vers une variation, donc surtout de postes col blanc et professionnels pour soutenir les activités de la biosphère également. Maintenant, si on passe à notre programme décennal d'immobilisation, évidemment, notre priorité, c'est de s'assurer que les musées d'espace pour la vie demeurent compétitifs et donc qu'on puisse rayonner auprès de la clientèle internationale, mais ça nous prend des installations qui sont exemplaires en termes de maintien d'actifs, mais également la possibilité de renouveler les expériences au sein de nos musées. En 2021, parmi nos grandes réalisations, je vous nomme qu'on a ouvert une nouvelle station du parcours des phytotechnologies au Jardin botanique. Évidemment, l'année 2021 a été marquée par la poursuite du grand projet Métamorphose de l'insectarium, qui sera également marqué, soulignons-le, par un nouveau pôle d'accès qui sera réalisé en collaboration avec le service des grands parcs, donc un nouveau pôle d'accès entre le parc Maisonneuve et le jardin botanique à l'entrée de l'insectarium. Le reste des projets concerne un volet plutôt de protection, mais comme vous pouvez le constater, la majorité des investissements antérieurs ont eu lieu pour les projets, c'est-à-dire pour la métamorphose de l'insectarium. Pour les années à venir, maintenant que les grands projets sont réalisés, on va passer vraiment dans une ère de maintien et de protection de nos actifs patrimoniaux dans nos différentes installations. Donc, ça s'exprime principalement de la façon suivante. Alors déjà, on va compléter le grand projet Métamorphose pour pouvoir réouvrir l'insectarium. Il y aura des célébrations sous le thème de l'entomophilie pour rappeler aux citoyens et citoyennes l'importance des insectes dans la biodiversité. Ça sera également l'occasion de révéler une architecture biophilique intégrée harmonieusement au site du Jardin botanique. Notre plan décennal comprend également beaucoup de travaux de projets de maintien pour le Jardin botanique. Vous savez que le Jardin botanique célébrera son 100e anniversaire en 2031. Et là, c'est l'occasion plus que jamais de l'engager, d'accélérer le changement vers une transition écologique. C'est-à-dire, il va falloir articuler des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d'eau, puis une volonté également de repenser la circulation sur le site. Ça s'exprime notamment par un grand projet de restauration du bâtiment Marie-Victorin, où il y a des travaux importants à faire à la toiture, mais également aux fondations de ce bâtiment, qui, rappelons-le, est un des rares bâtiments hors déco dans la métropole. Il y a également d'importants travaux de réfection des jardins ouest à porter. Alors, on parle de sentiers, de murets, de pergolas dans des jardins qui sont patrimoniaux. Il y a également, à notre plan décennal, prévu la réfection du bâtiment ainsi que des l'étang et des jardins du pavillon japonais. Et puis enfin, rappelons-le, l'importance de renouveler nos serres d'exposition, mais également nos serres de production. Alors, il y a beaucoup d'investissements qui seront attendus dans les années à venir au Jardin botanique pour protéger ces bâtiments qui abritent des collections absolument exceptionnelles. Enfin, il faudra continuer de rêver et de repenser l'expérience de la biosphère. Il y a des investissements de 15 millions qui sont prévus au PDI pour renouveler les espaces d'exposition, les aires d'accueil, améliorer la performance énergétique du bâtiment, puis revoir l'expérience muséale, revoir l'expérience, offrir des expériences davantage immersives, inédites, pour transmettre des savoirs qui vont donner le pouvoir d'agir pour les citoyens. Alors voilà, ça complète ma présentation. Merci beaucoup, Mme Jodoin. C'était une très jolie présentation, très efficace. Il y a eu des petits enjeux techniques. Désolée pour les enjeux du PDF. Ça
ça arrive à tout le monde, donc on peut pas juger, mais c'était une très chouette présentation qui je pense on peut dire qu'elle est exemplaire là, pour nos services, donc félicitations. Je vous remercie. Nous allons entreprendre donc la période de questions du public. Il y a 3 interventions du public. Donc, la première vient de Jérôme Saunier. Les questions vous seront aussi partagées dans le chat. Espace pour la vie parle de l'accompagnement de Kérul dans l'évaluation du projet Métamorphose de l'Insectarium. Oui. On sait que le nouveau biodôme n'a pas été rendu accessible universellement, malgré l'accompagnement de Kérul. Le site de Kérul précise que la passerelle du biodôme n'est pas accessible en fauteuil roulant et que Kérul ne vérifie pas la conformité des infrastructures aux normes en vigueur. Que comptez-vous faire pour que l'insectarium soit sans obstacle et non discriminatoire? Fin de la question. La parole est à vous, Mme Jourdouin. C'est une excellente question. Évidemment, on est accompagné de Kérul dans l'ensemble de nos grands projets à différentes étapes, en temps au moment de la conception, mais également au moment où il y a des visites en cours de chantier. C'est le cas à l'insectarium. L'équipe de Kérul vient effectuer des visites régulièrement de l'évolution du chantier et émet des recommandations. Alors, jusqu'à présent, on pense que le projet ne sera pas universellement accessible, mais partiellement accessible, comme c'est le cas avec le biodôme, parce qu'il y a dans la visite de l'insectarium, il y aura des grottes, des passages souterrains où il peut y avoir des passages qui sont jugés partiellement accessibles. On exécute toutes les mesures d'adaptation, d'atténuation qu'il est possible de faire en ajoutant, par exemple, des bandes lumineuses pour que ces certains passages-là dans les grottes soient plus visibles pour les personnes qui présentent des handicaps. Mais à ce stade-ci, on anticipe une accréditation partiellement accessible. Merci beaucoup. Deuxième question venant de Pierre Pagé de l'organisme Montréal pour tous. Bonjour et bravo pour tous vos travaux. Vous héritez de la biosphère en espérant que vous ayez des revenus assurés suffisants qui viennent avec cela. En vous inspirant de votre expérience dans la création et la mise en place d'équipements majeurs à coût bien estimé, comment allez-vous faire pour éviter de sous-estimer vos estimés de coûts et de rénovation et mise en service, comme cela se produit trop souvent dans l'industrie et aussi à la Ville de Montréal, avec comme exemple l'usine de zonation à J.R. Marcotte? Madame Jourdouin. Je vous remercie pour votre question. Évidemment, l'Espace pour la vie possède une expertise dans la gestion des organismes muséaux. Puis, c'est toute une force, c'est la force de l'ensemble, j'ai envie de dire, qui va nous permettre de soutenir la biosphère. On la gère pas en vase clos comme un musée à part, mais il y a beaucoup de dossiers transversaux on va bénéficier de l'expertise de l'ensemble de nos musées pour faire croître ce musée-là. Évidemment, nous en avons confié les clés au 31 mars. Avec une institution qui était existante, qui avait des projets en soi, qui possédait déjà des expositions. Alors, notre travail commence maintenant. On va le renouveler. On va devoir revoir petit à petit, dans un phasage bien établi, les différentes expositions de la biosphère. Vous savez, en ce moment, il y a une douzaine d'expositions différentes à la biosphère. Ça serait vraiment prétentieux de ma part de penser qu'on va tous les renouveler d'ici 2 ans ou 3 ans. On va se donner le temps de séquencer les travaux pour renouveler les expériences. Évidemment, pour moi, la biosphère, c'est aussi des contenus numériques, des contenus qu'on peut faire d'un bout à l'autre du pays, par ailleurs, en bénéficiant là, de la force médiatique d'Espace pour la vie. Également, des projets hors les murs. Puis déjà cet été, c'est ce qu'on a fait en célébrant l'ouverture du musée, puis en faisant découvrir par le projet La Nature près de chez vous, de faire découvrir la mission du musée à travers les différents arrondissements, puis la communauté de la CMM. Et puis, évidemment, on bénéficie de la contribution des 2 paliers de gouvernement pour soutenir les opérations du musée, mais on a bien l'intention de collaborer avec, de rallier notre fondation pour aller chercher davantage de partenaires pour nous aider dans cette grande mission-là. Merci beaucoup. Et finalement, nous avons une question de Maxime Dufresne-Gagnon de la section 301 du syndicat canadien de la fonction publique. Nous sommes bien heureux de l'acquisition de la biosphère et de l'expansion de l'insectarium. Par contre,
une institution chère aux yeux des Montréalais, soit le Jardin botanique de Montréal, est encore à 2 employés titulaires de moins qu'avant le plan quinquennal de la main-d'œuvre. Considérant notre nouvelle convention collective qui augmente le plancher d'emploi de plusieurs centaines de titulaires, avez-vous prévu des personnes années au budget pour avoir plus de titulaires au jardin? Merci. Alors déjà, dans un premier temps, je vais te dire que l'Espace pour la vie bénéficie du soutien étroit et de la collaboration du service du SGPI, du service de la gestion et de la planification immobilière, où dans le cadre de notre plan d'affaires et notre développement de nos musées, on a permis à notre service partenaire d'augmenter le nombre de postes. Donc, c'est difficile de comparer la photo de ce qu'était Espace pour la vie au moment du PQMO, au moment où les employés d'exploitation des bâtiments faisaient partie de notre service, à ce que c'est aujourd'hui, alors que ces services-là ont été regroupés dans un autre service dont on n'a pas la responsabilité. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a une augmentation des ressources dédiées à l'exploitation de nos bâtiments, à la fois chez nous, puis à la fois dans notre service partenaire. Mais je peux pas juger de l'ajout des postes que eux peuvent faire là, en termes d'exploitation des bâtiments. D'accord. Merci beaucoup, Mme Jodoin, pour ces réponses. Cela termine donc la période de questions du public. On peut donc entamer la période de questions et commentaires des commissaires et des élus. Donc, on commence toujours avec des questions venant de nos deux vice-présidents. Donc, on commencera avec M. Desbois pour ensuite aller avec M. Bourrel. M. Desbois, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Donc, d'abord, j'aimerais vous féliciter pour la présentation et pour vos réalisations. Je suis très heureux de voir les taux de satisfaction très élevés et le rayonnement international. Je pense que vous pouvez être très, très fiers de ça. Donc, bravo pour ça. Ma question concerne l'insectarium. Donc, il y a eu l'insectarium devait ouvrir en août 2021. Finalement, à la page 69, on voit qu'il va ouvrir à l'hiver 2022. Et aussi, au tableau de la page 35 de votre présentation, on remarque que le report de l'ouverture de l'insectarium entraîne une perte de revenus anticipée de 1,4 million dans le budget de 2021. Alors, j'aimerais, au-delà de la pandémie, j'aimerais savoir pourquoi l'insectarium va ouvrir ses portes un an après ce qui était initialement prévu. Et au regard de la pandémie, prévoyez-vous à nouveau un retard prolongé pour l'ouverture de l'insectarium? Dans ce cas, doit-on s'attendre à des dépenses additionnelles? Merci pour votre question. Alors, en 2021, évidemment, le projet a été reporté principalement en raison de la pandémie, du report causé par les travaux, le décalage du chantier et également par des enjeux de main-d'œuvre puis de pénurie, des enjeux dans l'approvisionnement dans le milieu de la construction. Je pense que ça, vous êtes bien conscient dans l'ensemble des grands projets de la métropole que je pense pas qu'on soit les seuls à vivre ces enjeux-là dans le milieu de la construction. Ceci étant, en 2021, la perte des revenus qui est associée à l'insectarium tient compte de différentes choses. Elle tient compte du retard dans l'ouverture, mais elle tient compte également de la fermeture de nos musées pendant un certain nombre de mois. Donc, on perdait ces revenus-là, nonobstant le chantier ou pas. J'aimerais vous dire que les travaux sont complétés à 99,5%. Donc, les travaux sont complétés. On est vraiment maintenant dans la phase de mise en service de ce bâtiment-là. Il faut savoir que c'est un bâtiment extrêmement complexe. L'insectarium sera le premier bâtiment, première serre LEED or au Canada. Donc, c'est un bâtiment extrêmement complet dans ses équipements électromécaniques là, pour alimenter les serres, contrôler correctement les températures. On doit mettre en service tous ces équipements en ce moment, c'est ce que font les équipes, mettre en service les équipements électromécaniques qui vont nous permettre ensuite à nous de recevoir le bâtiment. Et là, c'est le travail d'Espace pour la vie qui commence, c'est-à-dire planter les végétaux, intégrer les collections vivantes et les insectes, permettre un certain temps d'adaptation, notamment pour que les papillons puissent éclore, s'épanouir dans la grande serre. Et puis, à ce moment-là, nous, notre mise en service, elle tient compte de ces 2 mois de travaux, de plantation, de finalisation de la muséologie puis d'intégration des collections. Donc, dès que la mise en service du bâtiment est complétée par le SGPI, ce qui devrait être fait dans les prochaines semaines, on espère bien qu'on puisse recevoir, nous, le bâtiment en février pour pouvoir ensuite commencer ces 2 mois, 2 mois et demi-là de travail de mise en service d'Espace pour la vie. Ce qui nous amène donc à une ouverture projetée au printemps.
ce qui est très bon parce qu'il faut savoir que l'espace pour la vie, ses revenus, ils sont générés pendant la haute saison, hein, du printemps jusqu'au 31 octobre, on va se dire, là, jusqu'à l'automne. Donc, nos revenus sont pas significatifs en janvier ou en février. Donc, on a très bon espoir avec l'ouverture du musée au printemps de pouvoir réaliser nos cibles budgétaires de cette année, là, et d'atteindre les cibles de fréquentation qui étaient projetées pour 2022. D'accord, merci beaucoup. Merci. Maintenant, la parole va à M. Borel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci beaucoup pour votre belle présentation. Très, très, très intéressant. Jusqu'en 2021, le service de l'espace pour la vie était responsable de tous les services, bâtiments, activités et budgets qui relevaient uniquement de sa compétence. Inutile de dire que les Villiers, nous sommes très étonné que la biosphère soit considérée comme une infrastructure d'intérêt collectif, bien que pour le moment, le transfert de cet actif se fait à coût nul. Nous aimerions avoir des clarifications relativement à la compétence de la biosphère, puisqu'elle ne fait pas partie, à moins d'avis contraire, des infrastructures d'intérêt collectif au décret 1229 trait d'union 2005, qui détermine notamment le partage des responsabilités. Est-ce que le financement consenti pour l'opération de ce bâtiment est assuré à long terme? Si le financement devrait cesser, est-ce que le bâtiment serait de compétence de la Ville de Montréal ou de l'agglomération? Et selon quelle base permet-on de déterminer que la biosphère est de compétence d'agglomération? Merci pour votre question, M. Borel. Alors, en ce moment, c'est l'entente qui lie la Ville à la Société du Parc Jean Drapeau qui détermine la compétence de la biosphère. Alors, il faut savoir que la biosphère, le bâtiment, il appartient à la Ville de Montréal, mais il a été confié à la Société du Parc Jean Drapeau. Et dans le cadre de l'entente qui lie la Ville à la SPJD, qui est de compétence agglomération, et c'est dans le cadre d'une annexe à cette entente qu'on reconfie la responsabilité à Espace pour la vie de gérer le musée, et donc seulement l'intérieur du musée. Espace pour la vie n'aura pas la responsabilité d'effectuer les travaux à la coquille extérieure ou au site extérieur qui entoure la biosphère. Ça, c'est le parc Jean Drapeau qui le fera. Donc, à notre plan, dans notre planification des investissements qui doivent être portés à la biosphère, on va se concentrer sur notre expertise, c'est-à-dire ce qu'on fait de mieux, de renouveler des expositions et l'expérience muséale. Est-ce que, si je réfère toujours au décret 1229, le 13 juillet 2005, est-ce que la biosphère, selon ce décret, faisait partie de l'agglomération ou de la Ville de Montréal? Et c'est la Société du Parc Jean Drapeau qui est de compétence agglomération. Maintenant, moi, je suis pas une experte de ce décret, bien honnêtement, donc on va devoir faire peut-être des vérifications additionnelles pour répondre à votre question plus précisément, à moins qu'il y ait un membre de la commission là, qui connaisse mieux le décret que moi. J'apprécierais beaucoup qu'on regarde effectivement, parce que ce transfert-là, à ce que je sache, n'a pas été autorisé par les Villiers. Alors, de quelle façon est-ce qu'on a interpréter le décret pour en faire le transfert à ce moment-là. Merci, M. Borel. Donc, maintenant, Je présume qu'on va revenir à la commission pour expliquer exactement ce que je viens de demander. Oui, bien, en fait, comme avec les autres services, il est possible de faire des demandes aux services pour avoir des clarifications. Au-delà de nos travaux en direct, puis après ça, on reçoit les travaux, les réponses complémentaires des services dans les prochains jours lorsqu'ils peuvent nous les fournir et lorsqu'ils ont la capacité de le faire. Donc, votre demande est bien entendue, je crois, et Mme Jourdouin l'a bien entendue. Et on va faire appel au service des affaires juridiques, bien honnêtement, pour pouvoir répondre à votre question. Ce n'est pas de notre compétence de juger là, si le décret doit confirmer la compétence d'agglomération ou pas de la biosphère. Là. Nous, on va se contenter d'opérer le musée. J'apprécie cette clarification-là. Merci. Donc, merci, M. Borel. Donc, maintenant, la parole à Mme Grondin.
Merci, M. le Président. Merci, Mme Jourdouin, pour cette belle présentation vivante et haute en couleur, un peu à l'image de l'espace pour la vie. Hein? Donc, écoutez, ma question est par rapport à la performance là, des musées. Alors, vous avez connu, en fait, une excellente performance en 2020, particulièrement en 2021, malgré la pandémie. Alors, tant au niveau des revenus que de l'achalandage. Achalandage, précisons-le, qui était majoritairement local. Alors, parce que le tourisme était, comme vous l'avez mentionné, à plat là, dans les dernières années. Alors, comment vous expliquez cette performance-là? Est-ce que c'est relié à la programmation qui était, on a vu, variée, intéressante? Vous avez plusieurs expositions. Vous parliez aussi du volet communicationnel, une grande portée médiatique, les nombreux prix que vous avez gagnés. Est-ce que c'est ces éléments-là qui pourraient expliquer la performance ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, tout à fait, hein, vous avez raison, vous les énoncez très bien. Espace pour la vie, on le gère avec une logique d'affaires, même si nous sommes un service municipal, ça n'empêche pas qu'on se fixe des objectifs ambitieux et performants d'affaires, de revenus, d'achalandage. Puis pour soutenir cette fréquentation-là, ça prend des investissements conséquents en marketing pour soutenir notre communication, la promotion de nos activités, et également conséquents dans le renouvellement des expériences qu'on propose. Je pense que le succès du passeport est également là à souligner cette année parce que c'est un tarif extrêmement abordable pour une famille de Montréal ou des banlieues de pouvoir visiter nos institutions pour 140 $ par année pour avoir accès illimité à 5 institutions muséales. Donc, je pense que ça a permis de générer des revenus additionnels conséquents, importants pour la ville. Et puis, ben voilà, après, c'est un mélange de ce que vous avez signifié, hein, de bon mix entre renouveler nos expériences, travailler sur la notoriété de nos institutions. Évidemment, les travaux de recherche de nos experts contribuent à cette notoriété-là. Et puis voilà, le renouvellement. Et, évidemment, je ne voudrais pas cacher non plus l'attachement immense des Montréalais et Montréalaises envers ces institutions-là. Je pense que ça, on l'a démontré une fois plus aussi que les citoyens étaient très attachés aux institutions d'espace pour la vie et que les musées sont des lieux très sécuritaires, en fait, pour faire des visites dans le contexte pandémique. Les musées se sont bien sortis de la pandémie quand on regarde chez nos pairs également là, dans l'industrie. Bien heureuse que les Montréalais et Montréalaises puissent redécouvrir les espaces. Donc, oui, merci, Mme Jourdouin. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. Oui, merci, M. le Président, et bonjour à notre collègue, Mme Bourgeois, et merci, Mme Jourdouin, pour votre présentation. On a eu hier la présentation de la Société du Parc Jean-Drapeau de compétences d'agglomération, qui a montré vraiment tout l'enthousiasme avec lequel ils accueillent l'arrivée de la biosphère au sein de la Ville de Montréal. Alors, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que vous élaboriez sur les stratégies qu'Espace de la vie compte mettre en place pour stimuler l'intérêt et favoriser l'intégration de la biosphère à son offre de services. Oui, nous aussi, nous sommes ravis de collaborer avec la Société du Parc Jean-Drapeau. Il y a vraiment une belle communauté d'esprit qui se rencontre, alignée sur des valeurs qui sont très, très similaires. Et puis, je pense que l'un et l'autre, on pourra se nourrir mutuellement dans leur grand plan stratégique. Les expertises d'Espace pour la vie en matière d'aménagement, en matière de phytotechnologie peuvent très certainement aider, contribuer au développement de ce plan stratégique-là que le Parc Jean-Drapeau. Évidemment, nous, on arrive avec notre force de frappe communicationnelle également et notre programmation. Donc, je pense que ça va contribuer également à nourrir et à développer le parc de belle façon. Et évidemment, je ne sais pas si vous êtes venus, je vous invite à visiter la biosphère lorsque ce sera possible de le faire, évidemment. Vous savez qu'il y a un immense belvédère où on a une vue absolument fantastique du fleuve puis de la ville. Alors, en plein cœur de la nature, au parc Jean-Drapeau, d'avoir cette vue sur le fleuve puis sur la ville, c'est un lieu vraiment propice à la tenue d'expositions, d'événements, de colloques et de conférences. Alors, on a bien l'intention de développer la biosphère pour la faire connaître encore davantage. Merci, ça fait rêver. Merci beaucoup. En effet, on a bien hâte. Donc, la parole à Mme Journeau. Merci beaucoup. Donc, en effet, je pense qu'on est tous très fiers de cette richesse qui est Espace pour la vie. Pour ma part, j'ai la chance de voir le jardin en lumière, puis juste une petite mention spéciale pour toute la partie valeurs autochtones. C'était vraiment super intéressant d'entendre la voix de Joséphine Bacon, c'était assez incroyable. Ça fait du bien, surtout en cette période de pandémie. Ça fait un petit baume
Donc, ma question porte sur le programme plus hors mur de nature près de chez vous. On a noté dans la présentation que vous avez fait 55 parts, 10 000 contacts. Je me demandais, est-ce que c'est né de la pandémie ou ça existait encore? Puis, quelles sont un peu l'idée pour la suite? Est-ce qu'on veut continuer dans cette direction, augmenter nos cibles, je sais. M'en parler un peu plus. Oui, tout à fait. C'est un programme qui est né de la pandémie au moment où nos musées étaient fermés à l'été, au printemps 2020, qui nous a forcé à repenser nos activités et à se dire, bon, ben allons à la rencontre de nos publics si les publics ne peuvent plus venir chez nous. Alors forcément, ça nous a aidé à développer cette initiative-là, mais qui est, encore une fois, vraiment collée à nos aspirations et à notre vision pour accroître notre impact social. Et si on veut accélérer cette grande transition socio-écologique-là, on la fera pas seulement entre nous, dans nos musées. Il faut aller joindre les gens, il faut aller joindre les communautés qui sont peut-être les plus éloignées, les plus marginalisées. Donc, en allant à la rencontre des publics dans les différents parcs de la grande communauté de la CMM, en visant et en ciblant spécifiquement les communautés peut-être les plus marginalisées ou les moins en contact avec la nature, par exemple, en collaborant à Hochelaga Maisonneuve, on a développé notamment une murale, une installation également dans le sud-ouest. On est allé dans Montréal-Nord, on est allé dans Ville-Marie, ou même à travers les fissures d'asphalte, on peut trouver un peu de nature, puis faire découvrir aux gens le ciel étoilé notamment. Alors, la nature, elle est partout autour de nous. Si une des leçons qu'on a pu apprendre de la pandémie, hein, c'est bien la nécessité de la protéger, de faire attention à la biodiversité. Alors, si on arrive à transmettre cette passion-là, puis à faire découvrir aux jeunes également des métiers, de la science, des métiers liés à nos musées, puis à l'éducation scientifique, bien, je pense que toute la communauté est gagnante. Alors oui, c'est né de la pandémie, mais on a bien l'intention. Déjà, à l'an 2, on avait accru notre présence dans différents arrondissements. On a l'intention de poursuivre. Peut-être en changeant la formule, on est allé dans les parcs, mais c'est peut-être dans les bibliothèques qu'il faut se rendre, c'est peut-être dans un festival local, dans une autre des collectivités, mais très, très certainement d'accroître notre présence hors les murs. Merci beaucoup. Puis ça me fait réfléchir aussi au fait de, vous avez parlé de la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, durant l'été étudiante et tout. Fait que je pense que d'aller à la rencontre des jeunes plus marginalisés pour leur faire découvrir justement les métiers scientifiques. On a plein de belles universités. J'ai plusieurs anciens collègues en biologie qui travaillent justement à l'espace pour la vie. Donc, je pense que ça leur permettrait de voir un peu aussi cet aspect-là pour le futur. Donc, cela termine le premier tour de table de nos commissaires. Je me demande s'il y a d'autres interventions de la part de nos commissaires ou si on peut ouvrir la possibilité des élus non commissaires à intervenir. Donc, je pense est-ce qu'il y a des interventions de la part des élus qui ne sont pas membres de la commission? Mais je pense que ça ferait le tour, Madame Jodoin. Je tiens à vous remercier chaleureusement en mon nom personnel, en fait, parce que en tant que maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, je partage un peu vos installations avec l'arrondissement Rosemont-Petit-Patrick. Je pense qu'on est extrêmement chanceux de vivre. Moi, j'ai 3 jeunes enfants et d'avoir la possibilité que mes enfants puissent être élevés aux abords d'installations aussi extraordinaires pour le contact de la nature, mais aussi l'éducation scientifique, l'éducation à la vie, c'est extraordinaire. Nous, on a acheté le passeport familial, 140 $ pour une famille, pour les centaines de personnes qui nous écoutent, là, les milliers de personnes qui nous écoutent. Garochez-vous, c'est le meilleur deal en ville, c'est connecté sur le réseau de métro et les activités constantes sont extraordinaires. Là, on a très hâte là pour l'insectarium, mais juste votre manière de vous intégrer aussi dans l'actualité ou de constamment. Je pense l'événement, entre autres cet été avec le planétarium pour lors de du phénomène. Oui. Donc, nous, on avait été chercher là, nos petits trucs. Des lunettes d'observation lors de l'éclipse, oui. Oui, puis là, on était monté, on était là à 5h30 du matin, puis c'était extraordinaire. Donc, félicitations, puis je ne peux que vous encourager à davantage, le plus possible, de connecter avec les populations plus vulnérables, moins...
moins nantis financièrement parce qu'on le sait, moi, mes enfants, j'ai pas de problème à leur faire découvrir la nature à l'extérieur de Montréal, j'ai de la famille en région, tout ça. Mais ceux qui restent à Montréal, on a besoin de ces installations-là telles que la vôtre. Donc, je ne peux que vous encourager fortement à continuer de faire des liens avec la population plus vulnérable qui n'ont pas cette chance-là de sortir de notre ville autant qu'ils le souhaiteraient. Donc, c'est du travail. On est très, très enthousiaste par rapport aux nouveautés qui s'en viennent. Continuez votre beau travail avec ce qui est déjà fait par le passé. Et donc, je voulais simplement là, profiter de mon tour de parole pour remercier chaleureusement et féliciter toutes vos équipes. Ça me touche beaucoup. Chacun de vous, vous êtes des ambassadeurs, ambassadrices de nos institutions. On a la chance d'avoir ces petits bijoux-là à Montréal. On en est tous très fiers. Puis notre succès, on le doit aussi à vous. Donc, merci. Merci beaucoup. Ah, puis en effet, je lis le commentaire de M. Sasseville qui vous félicite pour la qualité de votre présentation, de vos questions, de vos réponses, pardon, de vos réponses à nos questions et que votre passion et votre enthousiasme est ressenti. En effet, je pense qu'on partage tous les mots de M. Sasseville. Donc, cela terminerait la présentation d'aujourd'hui. Madame Bourgeois, merci beaucoup d'être encore avec nous aujourd'hui pendant cette commission. On vous tient bien occupé, mais votre présence est très appréciée. Madame Jodoin, toute votre merci. Équipe auprès de l'Espace sur la vie, merci infiniment. Lâchez pas, le travail et les surprises seront encore au rendez-vous en 2022, mais il y a des très belles choses qui s'en viennent. Donc, merci. Au plaisir, au revoir. Merci bonne beaucoup. Journée. Merci. Donc, un grand merci, bonne fin de journée. Oui, oui. Donc, avant de perdre tout le monde, je tiens à dire à mes chers commissaires, aux téléspectateurs aussi que nous allons donc suspendre les travaux jusqu'à 19h ce soir pour la poursuite de l'étude du budget. Nous analyserons ce soir le service du budget le budget du service de l'habitation et ensuite du service du développement économique. Donc, grosse soirée en perspective pour la commission. Donc, chers commissaires, prenez le temps de prendre un bon repas soutenant. Ce sera un plaisir de vous revoir ce soir à partir de 19h. Merci. À tout à l'heure. Au revoir. Merci.